question de vous inquiéter pour poursuivre vos études à l'étranger, Agence Tout Travaux Multiservices met à votre disposition de bourses d'études pour la CHU. Jusqu'à 75% de soutien à seulement 1 750 $. Pas de frais d'ouverture de dossier. La paye s'effectue une fois obtenu son visa. Nous sommes toujours en pleine promotion en ambition. Donc, promotion en ambition, ils ont continué. Pour un visa d'études, il y a Chypre. Donc, ils ont bourse. Ndenge Karatoloba qui la fois passée, par témoignage des Ali, dans 1 750 paiements après obtention de visa. Je dirais que 3 à 5 jours. Je rappelle, paiement est seulement le cas qui visait Bimi. Donc, si on a un diplôme, si on a un promotion est continuer. Moi, je suis continuer la promotion. Ceux qui va résister à Bimi, diplôme. Avec des avantages tels que un mois de logement gratuit, une carte de résident permanent, un permis de travail. Nous avons été aidés par l'agence des maîtres consultants. En tout cas, le travail a été très bien fait. Pour d'autres services, l'agence Tout Travaux vous facilite la tâche d'avoir des documents administratifs pour la conception et la gestion de vos projets d'entreprise. Notre adresse, immeuble GGE, 4e niveau, local 45, référence Rond-Point-Huillery. Vous servir, une autre priorité, telle est notre devise. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères, ouvert à tout le monde. Avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 Avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamu. Téléphone 84 710 99 99 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Merci, réel plaisir. Nous sommes les 11 août 2022. Mbotenabino Balandinho soit Bosolo na politique officielle. Bosolo Télévision, la première chaîne au cœur des investigations. On se retrouve ce matin en parfaite santé par la grâce du Seigneur pour vous accompagner. Merci encore une fois pour la fidélité, pour la confiance. Bosolo Mbate, Kotel et la Bosolo, un travail d'ensemble parce que chacun est appelé à porter sa petite pierre, justement, à l'édifice pour donner les meilleurs. Et à Obino Bozakozela. Je vais prendre les informations du jour. L'invité est déjà là sur ce plateau, Maître Sylvain Mutombo, ministre honoraire délégué aux anciens combattants et président national du RDT Tozanaye, cadre de l'Union Sacrée également. Donc on va parler un peu de tout, sauf rien. On aura l'actualité politique, on parlera un tout petit peu des Cap-Monde, on aura l'arrivée des Blanquins, retrait de la MONUSCO. On va prendre un peu tout la guerre de l'Est, du bric-broc. On posera toutes les questions et Sylvain Mutombo va répondre. Mais avant cela, les informations du jour. M23 au Nord Kivu. La société civile des Rutshuru envisage une marche jusqu'à Goma pour interpeller le gouvernement. Les partis des Kabound dénoncent la dérive dictatoriale de M. Félix Tshisekedi sur l'arrestation arbitraire de son président. Anthony Blinken est rassuré par Tshisekedi et Kadima de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Indépendance du Tchad. Félix Tshisekedi séjourne à N'Djamena. Prison centrale de Tshikapa. Les détenus sont en manque de nourriture et médicaments. Martin Fayulu exige la libération des détenus d'opinion politique Jean-Marc Kabound et Jimmy Kitenge. Préoccupé par la détention des Kabound, Anthony Blinken plaide pour sa relaxation.
Le premier ministre Sama Lukonde et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken échangent autour des questions sécuritaires, économiques et développement. Plus de 60 ONG congolaises encouragent les entreprises minières américaines à s'installer au pays. Boutembo, l'attaque de la prison de Kwa Kangura et l'œuvre des ADF et Maïmaï. Maï. Ça, c'est l'armée qui a donné cette information. Justice, Jimmy Kiteng est transféré à la prison centrale de Makal après quelques jours de détention à l'ANER. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le président de la CENI, Denis Kadima, ont visité le projet Hackathon. Ituri, pour terminer, le gouverneur militaire menace de dévoiler les noms des députés qui soutiennent les groupes armés. Monsieur le gouverneur militaire, arrêtez avec cette attitude, je ne sais pas s'il faut qualifier ça peureuse, où vous avez toujours tendance à nous faire croire, c'est comme s'il y a des députés qui sont derrière les groupes armés. On a tous entendu ici Mbosso dire qu'il y a des députés qui seraient derrière ou impliqués dans les groupes armés. Et les gouverneurs militaires, ils ont menacé les députés. Ne menacez pas. Passez à l'acte. Arrêtez ces députés. Arrêtez de nous faire des incantations. Ma philosophie, à quoi vous savez que tu as dénoncé aux autres banques sabatou. Quand tu as battu, tu as bunda jour, tu as bunda déjà. C'est l'attitude d'un homme. Il y a un gouverneur militaire, il y a un état de siège. Guerre est aussi la terre. Batou baza la passe. Batou baza le canal a aussi de sa guerre. Il y a une mission à coéder pour que la paix se stabilise. Maintenant, il y a des députés qui sont impliqués. Au dénoncé, il faut les arrêter. Tu es militaire, il faut les arrêter. Arrêtez-les. Arrêtez les députés qui sont impliqués. Et ça, c'est flagrance. Allez, arrêtez-les. Procédure et croyant, on a parlé du peuple après. Arrêtez-les d'abord. On s'en a qu'à flagrance. Pourquoi on ne sait pas qu'il y a des députés? Je vais organiser la semaine prochaine une grande émission autour de la liberté d'expression et d'opinion. La Robenga batoua CESAC, la Robenga batoua INPC, la Robenga batoua juriste. Otoye bananou, qu'est-ce qu'on entend par liberté d'expression et liberté d'opinion? Parce qu'il y a une confusion et zamingi. Chacun explique de sa manière liberté d'expression, batoua, batoua, kotala, que dit la loi? Mobe qu'on a règlement d'ordre intérieur, il y a biloko ezo kamba ba journaliste na bato ba lekaka na TV mobe ko lobinine parce que bato bazo kangama certaines personnes pensent que bakangi bango pona ba liberté d'opinion mais bato musu bazo mona te za liberté d'opinion te bakangi bango pona ba infraction à droit commun qui dit mieux bato wana bazo violer ba infraction ba la loi par rapport à infraction à droit commun. Liberté il faut tout ça la plateau mobimbao. Oh batoa jed bakovanda batoa sesak bakovanda batoa INPC bakovanda ba juriste bakovanda que je leur pose des questions. Bango ba expliquer biso limite za wapi. Toyo ba mondelo za parce que trop c'est trop. Na lobaki na bino na prison batunyo so bazaka ba innocent na prison mutulo za innocent. Je vous souviens que la prison n'a pas été innocent. Finalement, il n'y a pas innocent. Il n'y a pas innocent. Mais vous comprenez que dans le pour que les gens ne sont pas innocents, dans l'hôpital, ils sont innocents dans la prison. Ils sont innocents et basali. Sont bakanga bango pamba. Ils sont détenus illégalement. Basali. Sont innocents. Ils sont innocents. Ils sont innocents. Ils mais pour les infraction à la prison, ils sont innocents. Ils sont innocents. Et ça, je suis na boutou na prière, so bazo prier. Oka banga nzambe, pour na kouze blessir, nde na kovanda ou. Ou bien, ah, ou abeta y kouze blessir. Zambe, ou limisaka Paul, pour na violer moi, no, ah, ouais, violak. Le na prière, y a prisonnier, ndo kouye ba infraction. Mais na bo motobo ming bazanga, na banga ba inos. Maître Sylvain Mutombo, mbote na yo, ndoi. Mbote ndoi, ozo se, ou tu ose kisanga ya. On est constant, on est en prison, on est innocent, on est en prison. On est en prison, on est en prison. Nazaline, oui. Ok. Donc, on est en RDT. On est en RDT, en parti cher. Awa élection, on est en 2023. Condition, il faut aligner 300 candidats.
On va s'en sortir dans les Cambodges. Il y a une bonne santé, bonne implantation, place au Bandai Gauthier à travers la République. Au long de ministre, il y a parti ici. Par contre, il y a un peu de temps. Il y a un peu de soutenir Ngaï pendant le moment où il y a un vache maigre. Vous savez, il y a des partis politiques où ceux qui m'ont dit Zalaka ministre, le ministre Sili, parti et disparaître mba la moko. Mais ngai na banzi que parti Oyo na tika ki ngona maboko en Zambe. Na 2019 en tant que ministre, j'étais parti au mur de lamentation pour la kende ko komisa en Zambe. Na kolobate na Zalaka elengé jeune garçon qui a suivi Tshisekedi trop jeune. Il y a des preuves, il y a des références, il y a des personnalités qui peuvent le démontrer à tous les niveaux. Commençant par les 13 parlementaires, les pionniers avant-gardistes, les grands leaders au Katanga et d'autres qui sont dans des fonctions Katanga que moi j'ai reçues. Dont Fabien Moutom qui est déjà à la SNC. Je l'ai reçu à l'UDPS en 2003 et je l'ai fait passer premier vice-président après Tabukala Lamouni Dilem. J'étais trop jeune, 2003. Et je ne pouvais pas m'en passer pour dire merci à Dieu. J'avais respecté le principe de la victoire. On commence d'abord par glorifier l'Éternel. J'étais parti en Israël dire à mon Dieu merci beaucoup. Et j'ai laissé le RDT dans les mains de Dieu. Et j'ai laissé l'initiateur du RDT dans les mains de Dieu, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui m'avait donné cette grâce de diriger une structure politique pendant les moments les plus difficiles de la stratégie politique. Alors que j'avais raison. Mais la raison, on ne la comprend pas le même jour. On la comprend au fur et à mesure, Mikolo Zolé et Zolika. RDT, où il y a 2019, où il y a 2018, voulais-je dire. Na RDT, où il y a eu une élection en 2023, et Zabilo Komi Balé, où il y a eu, il faut battre ce sol-là. Na 2018, RDT, na chef de l'État, na yo kakape, ba moussous, ba komi, bangonyo, ba tu RDT. Je vois, il y a des professeurs qui semblent jouer avec les esprits des gens du RDT, à gauche, à droite, pour s'aimer des désordres. Moi, je dis, le RDT, c'est dans le main de Dieu. Na koko ta makambo ba moi noté, parce que c'est aigle. Aigle a pungwa ka moussika, moulaï. Mais bato bango moko ne pas comprendre que, oh, yaza moano, oh, yaza aigle, oh, yaza mpukumpuku. Mais biso toza ba aigle. RDT, oh, yomona, et le salaka tourne na yo, et mati makasi. Parce que, to tika lina ligné, ya papa Tshisekedi wa Mulumba. Toti kali na ligné, ya menton na biso Félix Tshisekedi, na ba instruction wa pesa ka biso. Moussala d'abord, makamoussou landaka, après. Nous avons créé le RDT, je n'étais pas ministre. Et nous avons été aux élections. Le RDT était logé dans mon cabinet d'avocat. Moussala nanga ki avocat et bebaki. Parce que tout le temps, il y avait plus de membres que mes clients. Il y a des clients qui étaient partis. Parce que j'étais devenu plus politique pour que tout gagne à l'élection en 2018 que avocat. Qui est enseignant des universités. Na tika pa cours nanga na ba université belé la bandiko tangis. Na ko cité bino sikom, j'avais plus de 4 cours. Na tika kayango parce qu'il fallait nani concentrer sur les RDT. Tobimisa ba député oyebiango, tobimisa sénateur, tobimisa vice-gouverneur, tobimisa vice-président de l'Assemblée provinciale, tozo avec 2 députés na kananga. Wana nyonso nostalgie. Nyonso wana. Ezaka nostalgie. Ezaka nostalgie c'est le passé. Ezaka actuellement. Actuellement nous avons évalué parti. Nous avons évalué ce parti. C'est ko lelo ndoi. Résultat, il y a 4 mois à la création, nous avons la province de Moussoussouté. Le RDT est en 26 provinces. RDT est en 181 circonscriptions électorales. RDT est en plus. Il y a 145 territoires, il y a un comité, il y a un siège. Je remercie Mingi, mes collaborateurs. Il y a un oignon, il y a un cousin, il y a un CP, il y a un CP. Il y a 10 000 dollars, il y a un siège. Il y a un oignon, il y a un cousin, il y a un. Une bonne intervention, zoa 2000 ango sumba ba drapeau. Naba oye ba commandé langa ba drapeau na poto. Na chine, na pesi bango merci. Na ko taïri bango te, RDT eko gagné ba élection na 2023. Toko bimisa 100 députés nationaux na RDT. Vous en a combien de membres, siko? Ba membres, zaï belé, mais na koko pesa statistique, siko. Est-ce que ba déjeun zo salam? Tout le jour, nous avons maintenant plus de 66 partis politiques au RDT. Nous avions créé. Premier regroupement politique. Et ça, regroupement politique, mais parti politique. Regroupement politique, tu peux yango RDT. Parti politique, tu peux yango RDTA. Parce que tu réussiras, tu peux yango RDTA. Stratégie politique. Nos membres qui ont suivi le RDT comme regroupement politique
sont restés fidèles. Et alors, il fallait les fidéliser dans un parti politique pour éviter des convictions. Nous sommes l'unique structure politique au bateau basse bandit qui déposé $1000 à caution. $1000 à caution, $300 de traitement à dossier. Des gens payent l'argent à compte la bise sur les banques. Publicité paye Colandaïo Kalamingite au bateau va compter. Nous avons déjà plus de 75 députés nationaux en ordre pour les élections de 2023. Nous avons plus de 75 députés encore provinciaux en ordre des paiements de frais et de traitement des dossiers, n'a paiement à caution. Partie à combien de députés dans la législature? Nous sommes dans 26 provinces. Donc, il y a une élection dans 26 provinces. Nous avons 500 députés nationaux, 725 députés provinciaux. Et puis, il n'y a pas de députés de stratégie d'accompagnement, il n'y a pas de liste d'accompagnement stratégique. Et pourquoi le ministre? Naza combattant à l'IDPES, Naza cadre de l'IDPES jusqu'à ma mort, na bunda depuis 1990 jusque maintenant Naza bunda la IDPES, Naza bunda la RDT. Donc na bimisa qui va député provincial, na bimisa qui va sénateur, na bimisa qui va vice gouverneur, na bunda qui paye tout indique présent na biso azo bokonzi. Comment est-ce que na kotiko za ministre mboko? Naza zoba, na zoba te. Nazana beaucoup, na tanga classe. Mais na fourchette, si je suis d'accord, mais na fourchette ndo za lagite. Wana ezaliki likambo ya sey tokotaki na 6 provinces. Chaussure ateza ya kitoko soza numéro noto la to. To salaki ndoi 169 000 voix avec 85 candidats alignés en 2018. On avait fait 169 000 voix. To zangaki 11 000 voix pour avoir 20 élus. Le RDT en 2018, si on avait ajouté au RDT ne fût-ce que 11 000 voix, si on devait avoir 11 000 voix, le RDT devait faire 20 députés nationaux. Notre candidat qui était en mouvement est sénateur. Il était élu et député national, et sénateur et député provincial, en tirant d'autres députés provinciaux. À Lubumbashi, nous avons Moukaï, qui avait fait plus de 30 000 voix. À Kanang, on avait le fils Kamounasafou, qui était venu de Paris. À Sala qui va voir Ebélé. De même ici à Kishasa, Maître Sony. Professeur Kandanda, parce que ma voix est belle. Tout ça qui 169, na zongi siyo na nini na ba document ya seni aucun de kotala. Mais lelo oyo Israël azali na minduki nucléaire. Israël il y a 1949 après la reconstruction de l'État hébreu. Na Israël oyo ya lelo qui peut jouer avec Israël? C'est ça le RDT qui a reconnu Israël, qui est allé dire à l'Israël merci beaucoup. À 4 mois de notre création avec le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, nous avions eu des élus. Maintenant, après 4 ans d'un lourd travail, chaque jour, implantation, impression de drapeau, paiement de loyer, et nous sommes organisés. Nous avons deux grands sièges ici à Kinshasa. 14e rue, nous payons combien? C'est $2800 le mois. Nous avons un grand siège sur Kassavubu, c'est $1500 le mois. Nous avons un siège sur commerce et il y a des sièges à travers la ville. À Lubumbashi, c'est un siège qu'on paye. Où est-ce que vous trouvez de l'argent? Voilà, l'argent est ici, Ndoï. L'argent est ici. Quand vous rencontrez un juif, vous avez la bacarée minière. Nakokota kamine te, parce que modèle n'a bu soit kota mine te. Jour où vous avez que Sylvain Moutomba kota mine,
Ou bien alors qui a comme on a gagné dans la construction mais qui n'a il y a qu'un angle bimbi ça c'est le jour où je vais laisser la politique. Le combat de l'UDPS, le combat de Tshisekedi, le combat du RDT, c'est un combat d'humilité. C'est un combat de servir le peuple. C'est un combat de servir le faible. C'est un combat où nous devons sortir dans nous, faire de l'altruisme, combattre pour ceux qui doivent bénéficier le Congo. C'est ce que Tshisekedi nous a laissé comme ligne de conduite. Ce n'était pas de se précipiter pour s'enrichir. Moi qui vous parle ici, je peux demander aujourd'hui même que l'IGF vienne contrôler ma gestion au ministère de la Défense nationale en tant que ministre délégué en charge d'anciens combattants. Qu'ils viennent même dans le patrimoine personnel que j'ai eu comme ministre, qu'ils viennent contrôler. Il y a des banques qui lui diront que, au bimissien, au gouvernement, il est incapable de nous payer pour telle maison qu'il avait prise ici par une banque. Il souffre pour payer ça. J'ai été honnête comme ministre. Tout ce que j'ai gagné, j'ai retourné ça à la révolution. Est-ce que vous, avez-vous déclaré, et monsieur Zanalingala, est-ce qu'on déclara qu'à Biloko n'a pas Biloko n'a pas avant comme après. Même les acquisitions en cours de paiement, comme des dettes avec des petites banques ou des grandes banques qui nous ont donné des crédits pour avoir ça, pour avoir X comme acquisition. Je demande à l'IGF d'aller vers toutes ces banques-là. Il va vérifier, il va trouver que ces garçons, c'est un tshisekédiste. Non parce qu'il les déclare, c'est par les faits, les actes qu'on découvre un tshisekédiste. Un tshisekédiste, ce n'est pas par les lèvres. C'est son comportement dans la gestion. Et alors, quand tu bitou ma politique, au bengi fort du progrès. Bah, Foufou ezate, neni, bon, nazo ki mwa 14 000 à salaire, boy. Madame, kende koninka foufou. Foufou nyonso, tindika 4 000 sacs na fort du progrès. Nenge nini, ba orphelina non se zawa. Mwa 20 000 kota ki, ya ba droit na ngay armé. Zwa yango, sala ba foufou, zwa 20 véhicules, ba kende kotika ngola ba orphelina. C'est tout ce que j'ai fait comme ministre. Quand, soko kote la lupa mon angay. Mais vous avez. Soko kote la lupa mon angay, on a sika na zo fanda. O komona ke piscine, ezate, o komona ke. Peinture et silité, bien que ça n'a pas de crédit, ça n'a pas de crédit, mais le directeur de la banque, il est soumis à la banque, il est soumis à la banque. Il est ah, pourquoi les jeunes, tu sais que disent, il faut des jeunes modèles qui vont continuer l'œuvre de Tshisekedi. Il ne faut pas se la ébeler parce que Moussa Tshisekedi a salé qui est en boko. Ceux qui te tournent en gros dos, tu as une jouissance. Tu sais que tu n'as servi à rien. Justement, il faut qu'il y ait des apôtres. Il faut qu'il y ait des apôtres dans les actes pour pérenniser, pérenniser le combat. Très bien. Ce n'est pas en allant vers les mines ou en faisant la course au bien ou à la richesse qu'on est. Tu sais que tu lui-même a quitté le pouvoir. Attendez. Donc, ils en ont assis ça. Attendez. Tu sais que tu as dit que tu as le pouvoir. Le père a le pouvoir. Kende ko tuna bananae. Papa n'a pas dit que tu as nini. Kolanda ba fonction au Tshisekedi Azoua. Ministre. Ministre de l'Intérieur, ministre de ceci, vice-président de l'Assemblée nationale, premier ministre, Tshisekedi n'a rien laissé de spécial. Parce que Tshisekedi, sa course n'était pas la quête des intérêts égoïstes. C'était la quête de l'intérêt général et pour l'intérêt général. Cela n'empêche pas qu'un leader politique soit dans des conditions humaines, normales, pour que Batouba respecte, parce que pour qu'il fasse ça la confiance, il y a des minimums. Malgré tout ce que vous expliquez, parlons de vous, hein. Malgré tout ce que tu expliques là, mais ancien combattant est belé, baza peine un mauvais souvenir na. Ah, et puis ce qui a fait que ceux qui m'ont ramené sur le bébé qui vrai, fallait obtenir confiance à Mokonzi Mboka pour que osala nommer de nouveau na gouvernement actuel. Et ça la bateau baza qui na gouvernement passé, bazongi, n'entend que le Jean Lissé Boussa, zala qui paye azongi. N'entend que le Didier Boudimbo zala qui paye azongi. Bato baza ebele na ko tangela yo. Bao bazala ki ba ministre pe bazo. Na pesi. Mais yo mtozo prétendre. Ko sala ki mon frère, Didier Boudimbo Jenny Blanc Mbote Mingi, un combattant avec qui on a fait un parcours politique à côté du président. Na pesi pe ya Lucien Mbote parce que na tangi na ale ki na e, j'ai dit bola ngandu. C'est un casse-part avec qui on a fait le droit à l'université de Lubumbashi. O moni makambo ya pouvoir. Leader à solo wele la kate. Tout n'anga Tshisekedi le père. A wele la ka combien pouvoir. Iye moko Tshisekedi Félix. Ma proposa à l'équipe qui est rapporteur de l'Assemblée Yanini Aseni. Azoa Yangota. On lui a donné, on lui a proposé d'être premier ministre dans ce pays. Il n'a pas cédé. On lui a proposé plusieurs autres postes en coulisses pour court-circuiter son père. Pour court-circuiter le combat de l'UDPS. Tshisekedi n'a pas cédé. Mais ceux qui allaient pour le pouvoir, où sont-ils aujourd'hui? Où est Tshibala aujourd'hui après nous avoir donné un coup? Où est Volanté Moubaki après avoir circulé ou marché sur les tapis rouges avec promesse d'être premier ministre le matin? Où est-il?
Le Valentin Moubaki que moi je connaissais, le Valentin Moubaki que je vois sur les petites vidéos des réseaux sociaux, en train de faire des petites déclarations, ce n'est pas le Moubaki que moi je connais. Ce n'est pas le Moubaki que moi j'ai reçu à l'université de Lubumbashi comme président sectionnaire de l'UDPS et leader de la jeunesse katangaise. Ce n'est pas le Moubaki que moi j'ai mobilisé pour un meeting à la Katouba. Ce n'est pas le Moubaki que moi j'ai vu. C'est une autre personne que je vois aujourd'hui. Pourquoi, quand on quitte la ligne, on perd le plume? Quand on quitte le principe, on perd les plumes. Entre Binona Moubaki et Nanya Louan en ligne. Moi, je suis resté dans la ligne. Natika l'a aligné. Le vrai combat du vieil est limité, selon vous. Le vrai combat, ce n'est pas limité. En termes de localisation. Le vrai combat, c'est les actes. Le vrai combat, c'est les actions. Le vrai combat, c'est le comportement. Le vrai combat, c'est la logique de Tien Tshisekedi. Ce n'est pas un bâtiment ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. Toutes les églises bien construites ne sont pas. Jésus-Christ n'est pas là, vous le savez très bien. Jésus-Christ est là, à l'intérieur. Les faits comptent plus que ce qu'on prétend être. Mais exactement, il y a des confusions. Il y a des Franck Diongo, on va parler de Kabunda à un moment donné. Il y a des boutiques lignées à papa. Non. Franck Diongo, Martin Fayoulou, Bango Batu Bazalagi na Tata. Quand ils voient comme des disciples. Au moment où ils ont cité Bakombo Bato, au Pesaki Bakombo Mibale, au Pesaki Bakombo. Ngana Kotangi Layo. Natangi Martin Fayoulou, Natangi Pe, Franck Diongo. Bango Baza Bato, Bazo Mimona Baza Batisekedis, c'était plus que Bino, pour Bango Batikali cohérent. Au moment où un Tshisekediste, il y a solo, à qui qu'on boumsa Félix Tshisekedi. Des principes. Parce que Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est le fruit des 37 ans de lutte et de sacrifices de bastonnades. Les tueries. Félix Tshisekedi est entouré par les esprits. Il est entouré par les archanges sur le plan de la religion. Sur le plan de la philosophie bantou, il est entouré par tous ceux qui sont tombés dans le bastonnade, dans le coup, dans les tueries, Tombolou et tant d'autres. Sécurise Félix mystiquement, spirituellement, dans le cadre de la philosophie bantou. Les morts sont morts, mais ils sont dans le deuil. Dans l'au-delà. Dans l'au-delà, ils nous veillent, ils vivent, ils nous sécurisent, ils nous protègent. Kibasa est à limite, est à Oya. Tu sais que dit le père, il est là, un archange. Il sécurise son fils biologique et son fils idéologique, qui est notre mentor, qui continue avec le leadership de son père. Tous ceux qui sont morts dans la cause noble de ce combat sont autour de Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi Félix Tshisekedi Tshilombo est en train d'appliquer le combat et les orientations stratégiques mystiques de son père. Il fait le route à la question de savoir à la CNS à Tshisekedi Wamulumba après sa victoire électorale contre tous. Tshisekedi dira quoi? Je commencerai par les infrastructures. Allez-y voir Félix Tshisekedi en train de faire. Il est sur les traces de son père. Il est pris en otage par les esprits du combat qui les guident et qui les sécurisent. Kosimba Félix, Ange Michael Azalikolo, Namindu Kinaï. Parce que les pasteurs disaient toujours Mungu Mungu, tout comme le président va bien, Zambé Zambé, Pesabis au président Malamoua et Bio. Et il est venu, il est allé couper le mystique de Mobutu avec Égypte. Il a retourné le pays en liaison avec Israël. Je vous ai dit ici, moi quand j'ai pris les fonctions de ministre, je suis allé en Israël dire à Dieu merci parce que je pouvais être tué trop jeune au campus. Enlevé, chassé, exclu, bastonné dans toutes les marches depuis 90 jusqu'en 2018, jusque même en 2019. Il y a un général qui avait amené, envoyé le policier dans mon cabinet d'avocat pour me menacer. Un général de la police ici. Et j'ai pardonné ces policiers-là un mois après la prise de fonction. Parlons un peu du combat. Donc, Parlons du combat du vieil Étienne. Nazo cabinet de Sozaka, combat à papa. Nous sommes sur les traces de papa. C'était quoi le combat d'Étienne Tshisekedi? Voilà. Nabandi ko démontré en haut déjà, mais il faut na zongele lisu pour comprendre bien pe ba téléspectateur va comprendre en haut. Tshisekedi abandi ko bunda lokopa na phrase moko pona ko développer en haut. Pour na instauration d'un état de droit et démocratique. Eza koloba nini mboka oyo. Moutou a cause la Likola Mibeko a cause la te. Biso nyonso si Maya Mibeko ko applique yango pour que na gouvernant na gouverne a tosa yango. Et loko wana ne ba moussousou ba zongela balobi l'application ou le respect de la justice ou la justice élève une nation.
Yango wana izalaki en grosso modo bitumba ya papa Tshisekedi. Alors, maintenant... On sait sa injustice sociale. Kobunda pona bien-être ya peuple. So ki mi beko iza respecté, mon solo eko kota na kesi ya l'état. Yango wana IGF papa. Yango wana mwa kadi. Yango wana Nicolas Kazadi azako sala. Yango wana gratuité de l'enseignement. Tony mwabazako sala. Kobana oyo. Bakoya 25 ans après, baza la bango nyonso, ego, nabana ou yaba ministre, nabana ou yaba PDG. Papa nanga zalaka ministre te, papa nanga ba ebi ete, mais nabundi ko mwana ya mutu yase, nako milikolo. C'est pourquoi nako appliquer méthode ya tien Tshisekedi wa Mulumba, il faut bana nyonso batanga gratuitement. So ki bana nyonso bakomi ego, toko zonga na respect ya état de droit démocratique, mutu na mutu ko banga ko banga, mwana ya ministre, mwana ya président, mwana ya DG, mwana ya député, ako bangi sa mwana ya oyo, azala kala kinsuka, atanga kane kolo mwoko pemeni, parce que bako zala bango nyonso, na chance moko, devant l'administration et devant la loi. Wana nde bitumba papa Tshisekedi. Zongi sa kongole na bilanga, asala bilanga, ye moko d'abord, afin que l'État amona apesaye, par ingrédient la biloko mtusu comparer continuer par comparer maintenant par rapport à la gestion à Félix Tshisekedi. Oui. Pour batebele ba monique c'est justement j'étais cité de nom parce que moi j'ai reçu Frank Diong avant d'aller na Lukela nga bango na débat contradictoire. Il a démontré Frank Diong tiaye wana tiangai awa ngana za gladiateur ya bitumba ya Tshisekedi le père na continuité à mentor na biso Félix Tshisekedi Tshilombo. Oye aza kosala point virgule ya testament ya papa na ye. Aye awa. Moïse Katumbi bloqué en Europe. Azongi siye. Escadela. Bloqué sans passeport. Azongi siye. Francis Kalombo bloqué. Azongi siye. Mouyambo en prison. Abimi siye. Prof Witt Mulongo en prison. Abimi siye. Et tant d'autres. C'est l'application de la liberté. C'est l'application de la justice équitable. A bouki tout ba jugement nyon se condamna batouana. En tant que magistrat suprême, a pesi bango liberté. Donc, Frank Diongo, a ligné ko critique Félix Tshisekedi, nga la zale ki na ye, na respecte ka bitumba na ye, na bunda na ye. Nga na kouta na Frank Diongo na 2003. Boye na nga ya bitumba, étudiant à l'université de Lubumbashi. A wana Kishasa. Na ye bani na batou nyon so wana, parce que je le côtoyais à côté du maître. Papa vie ou le ngankoye depuis 97, erba kangye. La université à Lubumbashi, tokende kotala nanini, tokende kotala procès na yi. Là, c'est mes relations avec Vio Lengankoy. Donc, ba on yon sozo mona wana. Age nanga naza mouke, mais na politique, naza na 85 ans. Naza vieux na politique, parce que na bandi na age ya mouke. Donc, le cas de Frank Diongo, na mousou sou nani, Fayoul, ba yé bingay, na bundi na bango. Tia bango wana, parce que nga pe naza leader la partie politique. Mais quand Fayoul dit pas, yoka, na kouchansou pa président nationaux. Yoka, toku ta naza na débat politique. Ça, y a pas de problème. Na beta bango, moko avec des arguments sur le plan sécuritaire la démontré Bango kende, sur le plan enseignement justement démontré si, Bango s'il vous plaît Bango infrastructure chers collègues s'il vous plaît na lo batande mboso lo baga chers collègues la biboy token malib koloba mingi lingo lo batte kozana raison moi je parle avec plaît s'il vous plaît Mais attendez, Zela, s'il vous plaît. Il y a un bango qui va le faire, il va le contre un gamin. Zela nan. Natumba bango ao. Mokile e ganga. Zela nan. Alobi boy. Olobeli, token de point par point. Kwambriye makamte. Sauf que moi, je ne vais pas compliquer. Zela. Benga bango lobi. Alobi Zela. Puisque nous sommes présents nationaux. Zela nan. Fayou le président Eli, yo nationaux, mais président Fayou le président Eli. Fayoul a lobby boy. On dit qu'on a respecté rien, mais tu comprends ça, on a scellé à toi qui s'est débatté. Président Eli, attends mon tapis rouge. Président Eli, attends mon tapis rouge. Parce qu'il n'y a pas de JR. Il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas d'officier, il n'y a pas de mandataire. Donc, tout ce qui est là. Fayoul a lobby boy. Régime, moi, c'est un régime beaucoup dictatorial. Vous avez une opinion politique. Vous avez une opinion politique. Bokangi Jimmy Kiteng, bon, Jimmy Tolo Bakutu Kanaete, Tolo Belamingi Makamouya, Kabound par rapport à Kumu. Et qu'on réclame Babi Misa Kabound, même Maman Marie, ce qui Maman Mamie au Boutu Kangana Bibwa, Fayoulou a été, on a mon Fayoulou a outi Batika Maman Bosso, Batika Maman Bosso, avant d'aller calmer,
Ah, ça la politique Beaucoup de régime pénitentiel. Beaucoup quand on a battu, beaucoup tient d'abord en prison pour la liberté d'opinion d'abord. Fayulu a lobby. Voilà, n'akoye bisa président Fayulu que c'est mon aîné. On a travaillé ensemble. Il y a qui est Sylvain Moutombo. Collègue Abilio News. Fayulu a Yebi qui est Sylvain Moutombo. Ayebi batak bonito sala kanai. Oto tumba mboko. Oto souki sa dictature. Oza gina mboko. Ayebi boni combien de fois na MML ba trak na carton. Oba kaboula na parti naï. Ayebi combien de fois force du progrès ont yako tia et poids. Parce que sa gina batouté. Chance logo pamba. Babi misio na Genève. Na fraudulence. Toi voter, moi voter, toi voter, lui voter. Elle a quoi les salamakawapi? N'a pas vote. Mais toi, tu n'as pas voté. Moi, je suis là. Cette escroquerie, wana suis là. Je 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 Félix a là. Je tout. A Je suis deuxième mandat avec 350 députés élus dans la province Nyonso proprement. Parce que loi électorale, les acquis tout comme Akasi. Et puis, si ma compétiteur, bango tout, même chance. Donc, ce qui m'a dit, c'est comme ici, régime, régime Nabiso. Et comme il y a un régime moko dictatorial, bon, il faut alouka azana terre à terre. Les faits sont sacrés. Tous on a pas fait. Ok. Il y a moko tamboula ka sala ba meeting na tous les jours. A tamboula ka sala ba meeting na tous les jours. Et tous on a ka naïe. A obi makaka bi malalu pa on a yena batoune 20, 30. A ba nako koka. Si bien on demande au tiepo, n'a pas fort du progrès. Il y a ba nako sala meeting à 2 mètres. Si vous avez besoin de pouvoir, vous avez 30, 50, 100 personnes. Vous avez besoin de leader. Leader. Nous avons déjà développé le leadership du nombre. Ce que vous avez dit, c'est que le stade de martyr, tout le monde est en train de se faire. Et ça, maintenant, vous avez incurgité les œuvres de Félix Tshisekedi. Vous avez besoin de que vous avez gombe oyo chantier. Ma boulou na ma boulou. Ngiringi avez besoin de inaccessible. Donc, tu décongestionné, tu sali, tu emboutage de cils, au côté de la sanatoriale, au bini boye, aux ana sosa, aux ana gombe. Nde moussala na biso. Moussala, tok, non, non. Nous, c'est les réalisations du président de la République, Félix Tshisekedi. Tozo bande yango, to bande yango déjà lobby na ba déclaration na biso. Toko répété yango, tiye sokoya. Félix Asala ki hôpital Sendwe. Félix Asala ki route ya Dilolo. Félix Asala ki route ya. Ya Kasumbalesa. Asala ki route ya Kipushi. Azo sala ba route na Mbujumai. Azo bongi sa ba route na Equateur. Atie kura e pa Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba ye mo kwa kekuna. Andimi yango. C'est ça notre langage. Toko kende na bango na terre à terre te. Nous allons monter comme des aigles. On va donner les réalisations de Félix. Vous avez fait de votre régime un régime dictatorial. C'est ça la question. Oko mona yango te parce que na outre ko démontrer yo. À Tamboula Kalokola opposant à Solo. Arrestation à Kabound. Arrestation à Nani. Il y a Kabound, Jean-Marc Kabound. Tout n'angai, aujourd'hui, il y a Jean-Marc Kabound. Il y a Jean-Marc Kabound. Il y a Kabound. Il y a Kabound. Oh. Il y a Moutoumoko, Azan Abakom Misa. Kabound. Il y a Moutouzolo Bayo. Non, il y a président. Il y a UDP. Il y a Kabound. Kabound. Naebi kabunda kabunda oyo azwa examen d'état na kombo kabunda kabunda naebi soki ILK ya registre ki na université na kombo nini to tuna yi kala mingi te procès banda ILK akola ko bimisi la biso inscription ya kabunda wa kabunda ya kabunda kabunda avec un diplôme d'état pas diplôme d'état to anango ba komi na palmarès kabunda kabunda to mona jugement ya changement de noté ce ko zo tuna ngai kabunda kabunda na la personne vérité ancien président ya IDP IDP c'est là qu'on a un ancien président statut IDP sur le biso qui présente que article 26 c'est ça d'application c'est le triumvirat il n'a jamais été et je corrige c'était une aberration grave. Aujourd'hui le ministère de l'intérieur a reconnu l'article 26 que le parti est dirigé par le triumvirat. Alors, quel était mon combat? L'ancien secrétaire général de l'IDP. Voilà, c'est ça. Jean-Marc Kabound. C'est ça sa fonction. Mais je vous dis qu'il n'a jamais été Kabunda Kabound. Bon, Kabunda Kabunda, comme tu veux. C'est ça le vrai nom. Allez-y. Appelez-le. L'ancien secrétaire. Même quand les gens l'appellent Kabound Kabound, Kabound à Kabound, Kabound à Kabunda, vous voyez, que vrai combo. Ils ont un titre naïe, un diplôme d'État, un acte naïe, à naissance à Liboso.
na inscription na yé na école bobozo na kananga ici qu'a eu diplôme d'état sur 20 personnes bazu 4 50 mi balé bazu 50% mo kwazu 51 mo kwazu 53 na yé na zana bango nyonso awa kombo na yé kabunda kabunda Jean-Marc ah donc c'est azaga Jean-Marc non le nom est sacré en droit congolais mon frère son caractère d'immuabilité Mutombo n'est pas Mutombo Kabinga. Mutombo Kabinga Sylvain n'est pas Mutombo Amutombo. Mutombo Amutombo n'est pas Mutombo Israël. Et to benga na kabandoi parce que ça ba muto ba mutombo. Dénominateur commun. Dénominateur commun. Siko yaza kabunda kabunda. Akomaki kabund kabund. Ernini. Ça va prononciation ba nasuka ba ande bunga. So ki ba document ezali ba komi kabunda kabund eza prononciation te eza document. Ngana lobi makambo na ba document na ba titre ta authentique. Le régime voilà. Dictatorial. Revenons to à zongi, la chose. Le Bokangi secrétaire général. Voilà. Pour la liberté d'opinion. Et lobby makambo liberté d'opinion. On vous laisse toute la chance de critiquer. Liberté de penser, liberté d'opinion. Ça liberté, est là, moi, différent. Liberté d'expression. L'opinion vient du mind. Selon moi. Constitution est le biboyé. Pourquoi est-ce que le babo boyé? Au coquille, comme au mamoutoua naté. Bon, tu vois qu'une interprétation est le komoko. Mais mouta bimis opinion naïe moussou. Moussou sa bimis interprétation naïe. Kobo ma été. Tika ya louba eloko naïe. Mais loko wana, ekota infraction te. E finga te. E sala ba diffamation te. E bimis sa ba infraction pénalité. Obimis opinion naïe, on te respecte. Pourquoi on parle de la démocratie? Dans ces grandes dimensions. Dans les dimensions de la démocratie, il y a un élément. C'est un élément fédérateur de liberté de penser. Élément fédérateur de liberté d'opinion. Élément fédérateur de liberté d'expression. Cet élément, on l'appelle la tolérance. On l'appelle la tolérance. Quand on quitte la liberté de penser, on quitte la liberté d'expression, on quitte la liberté d'opinion, on devient sans tolérance. On tombe dans les infractions. Au bandi, au yaza, katangé. Au yaza, mouluba. Au kitina, discrimination. Au kitina, la tribalisme. Qui est puni ça par la loi. Loba makambo ndenge sengeli longwa nanzela oyoko buka tolérance. Tolérance c'est ça bouclier. Il y a ba levier, il y a démocratie. Na ba levier à démocratie, tozali na liberté d'expression, tozali na liberté d'opinion, tozali na liberté de penser, tozali na contrôle, tozali na participation, na contrôle wana nde musala usala kawana ndoyi. C'est parmi les grands principes ou leviers de la démocratie. Quand vous passez à la télévision, aux autres syndicats, aux autres syndicats gouverneurs militaires, c'est ça la boue, ça la boue. C'est en tant que journaliste, en tant que peuple congolais, chacun a le droit de contrôle et le droit de participer, de participation. On les a pilier la démocratie. Ce qu'on pilier, au bisou, démocrate, au bengango, pilier central, au ekangakabio, au nyon, soit na ceinture, et sa tolérance. Ce qu'on bouki tolérance, au coin d'infraction. Dès qu'on a bu, soit qu'on a dit qu'on la télévision, à pessi, bah, opinion naïe. À l'obi, l'état m'obomi. À l'obi, l'état m'oini. Alobi l'état ma ben lokola ndeko Frank Diongo salaka bambula na bambula bakanga ete parce qu'il donne sa pensée que pour moi c'est régime ici c'est un régime dictatorial quand on parle que régime est dictatorial est à péché té mais soit que l'union au côté ce qu'on a ba fait au comme ko impute batsoda au conseilika songolikambo ki ka songo salaki bo ete alors que ka songo alaki na mandana ya procureur pour lui qui sa montre mais yo za information té au ko impute ka songo bloko alokuta. Quand Kassongo, tant que Kassongo, a l'ingé à agir en tant que général, pour la bureau au conseil, c'est de la même chose. Autique liberté na yo d'expression. Autique liberté na yo, y a pensée. Autique liberté na yo d'opinion. Au côté n'a pas diffamation, n'a pas atteinte à l'honneur, n'a pas atteinte à la personne du chef de l'État. Ou on est commis pénal. Y'a moi, n'a pas eu ce qui va tout nier la justice. Pesa bi son numéro, y'a jet privé. Oyo ezwaki. Ba mio ya liboso et même bien on a ba paradis fiscaux. Est-ce que vous koyeba combo ya pilote wana? Est-ce que vol ango ezala ki vol ya moi ou bien vol ya bou ya butu? Ça ce sont les indices de l'enquête préliminaire. Oyo mutunyo so asambisa abanda konango. Sadi makambo kabunda lobaki me ba ebisie lobaka ba commander na papier. Mais asi asala yango na parlement isus ba kwamba bangi ba bengana kaye. Alors, baka 7 millions bali ya kayango et pa ya mama mabunda na président ya sena na tambwe mwamba basenga kambongo ebele pona ko congrès balobi ok les cas sous na télévision oyebisa peuple congolais que 7 millions ana ebimaki tel jour
voilà Bali Ibrik, autre Tizak, Obaliak, il était incapable. On l'avait déchu du haut du perchoir à l'Assemblée nationale comme vice-président. Mais ça s'est répété encore dans les mêmes praxis de hors la loi, dans les mêmes praxis d'un non-initié, dans les mêmes praxis d'un non-tshisekédiste. Nous, on a été opposants trop jeunes. On a fait des débats contradictoires sur les médias avec des grands professeurs, alors étudiants. Alors qu'une fois, j'ai fait la prison pour avoir insulté M. Kabila ou alors pour avoir insulté Kabila. Moi, j'ai été farouche à la dictature mobutienne, kabilienne et joséphite. Na bounza bango tina fi na li fobo. Oya souka to bengani yena pouvoir. Tozu pouvoir. Babi misanga vidéo oyo nga nazo finga Kabila individuellement ou nga nazo finga Mama Olive individuellement. Ou nazo taxe Kabila na ba preuve. Kabila zo aki mbongo boye et kenda ki kotoyo et kenda ki kotoyo. Moi, j'ai été arrêté, bien sûr, par leur akabi non contrôlé des violations des droits de l'homme, parce que c'était leur mécanisme de fonctionnement, de violations des droits de l'homme, détournement, gabegie financière, évasion fiscale, et d'autres mots qui touchaient nos finances publiques. Mais bisoto yeto zongi simboka, tobi misi ona boloko, tobi misi ona boloko lobi, ofingi, okwei, on traversait les limites à tolérance. Au côté d'un infra, ça dit infraction. Kabunda traversait la limite d'intolérance. C'est à quoi il y a côté l'infraction pénale. Oui, au côté de la signature, Sylvain Mouton. Oui, au côté de la signature. Oh. Mais quel autre juge qu'on a pas procuré. N'a pas pas mbosso. Ça dit au nom de la liberté d'opinion ou d'expression. Tu ne peux pas toucher sur une personne, sur la vie privée d'une personne. Ce que Tindi Félix Tshisekedi n'a pas déclaration, il y a sorti une médiatique, n'a pas déclaration, il y a RFI. Prends Biloko Wana, tiens en go. Na machine il y a cristallisation il y a ben infraction vous comprenez que Mutoyo il a dépassé les bornes. Alors quand par exemple Félix Tshisekedi disait na régime nangai bagotika la kokanga mutute pour na yogi fayulu rappeler oui pour l'opinion na ye opinion na uti ko définir yo opinion opinion eza makanisi na yo makanisi na yo eza la limite na ngwe ko za ko finga te parce que na za na opinion la lekilo na télévision na bandi ko finga Joseph Kabila tel qu'il est aujourd'hui ancien président de la République. Joseph Kabila a causé un droit au kendeko fundangai, n'a kendeko démontré sur base de quoi nazo fingai. Pour sa vie privée. N'a koti kokta la mouta. Même en tant qu'opposant, nous ne l'avons pas fait. Nous avons critiqué les régimes. Moi, j'appelle ces régimes ici les régimes de la honte. Les régimes de la honte. Le jour où on a proclamé la victoire de Kabila, quand nous étions en procès avec les bâtonniers Mukendi et les autres. En 2011. Oui. Bisotou Zangi a procès par avocat Ebélé. Moi, j'avais comparé dans cette affaire-là. Va vidéo Ezali. Na toge nangai. Na lubaka. La république de la honte. Une cour de la honte. Parce que ça va qui théâtre. Na mona ça va qui wana. Mais bilo kouen to lingue zongate. C'est pourquoi moni biso toye. To bundi makasi. Pour magistrature. Eninga na mouke. Batia batu ya bwanya. Présent. Meki yango yamu kalobi. Magistrature bozo e dengai te. Bozo e dengai te. Ou meka kocha. Ko changer. Parce que magistrature est changée. Bah poursuite, vous allez contrôler. Là, bah niveau ça dit, liberté, ça dit, selon Maître Sylvain, la plupart des personnes, Jimmy Kitenge, Kabound, Maman Marie, pour ne citer que ceux-là, s'ils sont arrêtés, bah, ça a arrêté pour la liberté d'opinion, mais ça pour bah, franchir ligne à intolérance. Tu vas katisine de l'eau. Oui, bah, pour katisine. Sont allés au-delà. Sont katisine de l'eau. Bah, kangayo. Bah, kangayot. Mais les imputations dommageables, c'est une infraction. Au-delà des immunités, bah, qu'on s'engayo. Ata yo depite oke ou finga moutu ya pamba. Ako funda yo, a sengipe. Ba leve ou l'immunité, okende ko reponde. Immunité eza koloba nini ke yo bako kanga yote. Eza kaka ke bako kiko kanga yote. Loko la bakanga moutu nyon, nyonso. Ba tiye moi mécanisme. Parce que toutes les infractions sont punissables. Au regard de la loi. Ata ouza depite, eko si la. Soko ba boto lo immunité te, pa biro ba protéger yo, par te pe. Ta ya infraction ana soko eza kaka. O bako benda yo. Ou qu'on kende ko samba. Ou an ande to ben ango, ba préalable de poursuite na droit pénal. Moutoumon kazala ba privilège na ya, azala ba habilité, azala directeur ya boye, ou kangaye, il faut autorisation ya boye, tout ça. Et zala ba to ebile ba zala catégorie wana. Mais les immunités c'est autre chose. Ou kou kwa kaim bala moko de boete, il faut ba lever ango. Très bien. Alors, vous avez porté plainte contre Kabound. Quelle est la raison? Omoni, biso to vanda kina moutou. To vandi na mutu, to yebiye, to zo yebi sabato na 2020, na 2019, na 2016, na 2015, mutu anguwa ye, to yambiye,
Mais tout le monde a dit Moutouana a une politique. Kabound a été en 2016. Oui, Kabound a coûté un Tshisekedi pour la première fois en 2010. Toke campagne en 2011, na papa Tshisekedi, ba soufflé Moutoumoro na litoy. Aloba ke Moutou ba kangaka na kamina. Yewana. Avant même que présent a contrôlé Yango, Moutou ba kangaka na kamina, c'est un héros. Bah souffler qui est n'amato et pas président Tabou. Tabou quand la moune dit dilemme. Ne connaissant même pas bien la personne. Mais tiens, elle a l'air qui mystique. Et la bandit qu'on le secrétaire général. Il est parti. Alors il faut ezala tournant. Bah katangé bah dirigeait. Tous ceux qui na bandundu, tous ceux qui na Équateur, na bah Congo, donc Léopoldville. Tous ceux qui na Est, na bah Swahilphone. Il fallait tous ouvrir bah katangé. Tout ça qui n'a pas cassé, moutanda, allez, tout ça qui n'a pas pongo, pas congo, tout ça qui n'a remis ma samba, tout ça qui n'a ma vungu, non, il faut prendre la rotation, tout ça qui n'a moutanda, tout ça qui n'a jamais chaban. Président, lui, non, il faut na l'ekisa, tout loyo, il faut qu'un kata, un katangé, pour la question géostratégique et géopolitique, pour la belle élection, enfin, moutoumou, quand on a poids pour côté mouna, bandi, qu'on est bandi, bandi maï. Raison, il y a choix, il y a vice-président et secrétaire général, Azala jeune, pour la tonus, la élection Azala jeune, a créé émulation à ma casse, afin que tout gagne. Malheureusement pour notre ami, qui n'avait jamais été Katangi, qui va présenter un CV au président Tshisekedi. Dans ce CV, il se présente comme ayant une mère, sûrement, du Kassai, mais un père du Katanga, du côté de Lualaba, comme Rounz. Donc, côté Aba Fabien Moutombo, Aba Moussoussoua. Et le président Tshisekedi, à l'objet, il n'y a pas de problème. Mais, bah, conseil à président Tshisekedi, j'en faisais partie. J'étais conseiller chargé des questions de la jeunesse du président Tshisekedi. À la nomination de ces derniers. Makele Lebini, bah, l'objet, et à l'okuta, bah, consulter Bissot. Dans autres personnes, bah, référence à Batoko Bengsao. Moutou a signé, a commis décision Wana, Azali, Michel et Boma. Autre, Ozala, quand il y a un cabinet à Tshisekedi, Mole Kake, vieux en Kwenda Aye, croyant que nous avons un cabinet à Tshisekedi, parce que nous avons un bango, mais Tshisekedi à l'objet, je l'avais nommé par une décision unique, il demeure mon conseil. Jusqu'à la mort du président Tshisekedi, j'étais traité tel comme conseiller en charge des questions de la jeunesse, parce que j'avais bénéficié, il y a décision unique, décision 0113. Nous avons nommé comme conseiller Tshisekedi, nous avons un balo et un batouté. Nous avons une exception. Donc, tu sais qu'il n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Je sais que vous avez fait. Vous voulez seulement l'écarter. Il demeure mon conseil. Donc, il y a un bangaï, Africa TV, avec ma qualité. Même après 2013, même après la mort de ce que j'ai gardé ma qualité de conseiller honoraire de Tien Tshisekedi Mulumba. Bah, débat, il bandit dans le cabinet. La Kosenga, on a invité Awa, M. Labé Théo Tshilumba. Numéro 1. Aéri Makamoana, il y a l'Okuta, mais il fallait bien avoir les preuves. Pour maintenant, cristalliser l'infraction. Benga Wankwenda, Aebi Makamwana, Ote Tshisekedi a Benga Kimutatunye, au fait, tu es de quelle province? Si ta mère est du Kassai, ton père est du Katanga, tu n'es pas du Kassai, tu es du Kata, ça c'était dit par Etienne Tshisekedi, avant sa mort. Aloba Kiango, avant même sa nomination. Api Alobi Botika Sevio. Sevewana et les mois. Na Sevewana Bakoma, licencié en relation internationale de l'université de Lubumbashi. L'extension à Kamina au Kotate. Ce qu'on a comme licencié la relation internationale à Lubumbashi, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Si quoi, tu sais qu'il y a avant à Koufa, à mon avis, il y a des rebelles. À l'objet, il y a des gens qui ont soigné en Gouboué. Il y a des soins, na zonga, il y a des régler par ma camouane. Viens à quel soin, à Zongite, paix à son âme. Il est dans la grande félicité de Dieu. À paix, manaye. Mais tous en aïe comme maître, esprit n'est au balouka. Et ça qu'on frappait par esprit n'yonso. Au baso tambousa comme aïe de peste, mais baso sale l'aïe de peste. Azongi et bembe. Tobandi bitumba. Namutuana. Kote sa congrès, yo za pesa aïe de peste. Kote sa congrès, aboya. Congrès et kotana bitumba ya simak. Là, je me permets de féliciter tous les jeunes de la force du progrès. Soit que mon hygiène a mis présenté, qu'à la force du progrès, vous en avez 10 000 francs, vous en avez 50 dollars. Pensez à y est. Ne bateau va sauver Mbokoyo.
Et ça, bah, j'ai la force du progrès, wana. Oh, bah, moussous, bah, kanisakake, bah, ça, bah, voyou. Bah, j'ai la force du progrès, bah, ça, bah, voyou, t'es. Bah, l'équina, bah, professeur en droit constitutionnel, bah, j'ai wana. Bah, professeur, là, bah, licencié, là, bah, cadre, aïe, de pèse. Bah, bandit, kolanda, mouton, azo, bah, aïe, de pèse. Mais, bah, j'ai la force du progrès, wana. Bah, moi, bah, télémaka. Bah, le bité, statut, n'a bis, le bibou, moi, n'a maï. Il faut que tu aies congrès. Bah, bunda, tu kota congrès. Parce que mutuana zaraka na mbeli na maboko mbeli wa ro menacé soki bolongoli ngai nakopanza i de pes nakopanza i de pes Félix Tshisekedi trop sage il a tout supporté beaucoup et j'ai dit au peuple de Dieu na ba congolais bazana président bazana sagesse mounene na esprit à tolérance mounene parce que biso tomoni au président Félix Tshisekedi a subi pour accorder une dépense na unité. Alors, secrétaire général adjoint, nan a joué à ta partie, t'es dans ma boko. Mais parti Zalaki dans ma boko, il y a tyran. Parti Zalaki dans ma boko, il y a moutou. Oh, Zalaki na kop na ya infiltration. Batindiye abomabiso. Et alors, le congrès, le président a pris le parti. On est allé aux élections. On savait ce qu'il y aura. Le Félix Tshisekedi a gagné. Il y a eu ce qu'il y a eu. Nous ici, on a été récompensé, on dit encore merci au président, on dit encore merci au peuple congolais et à tous les combattants de la force du progrès et ceux de l'UDPS et ceux qui sont venus adhérer au RDT aujourd'hui comme force politique qui accompagne l'UDPS au pouvoir. Mais Mutuana a échoué planaï. UDPS, bah, wako bomango ma bé. Mais bato ba koufa ba se kwa ki. Bien vous comprendrez en gote. Batenyo mukendi, a se kwa ki, ti se kati a zongi si yue. Alors, yo, nous autres, yo, et ça, nous fraîches. Tu peux encore retourner en vie et opérer ces combats. Les peuples combattants de l'UDPS, Balembi, on commence à les tirer pour des postes. Alors que Kabila avait des millions. Les combattants de l'UDPS n'étaient pas partis chercher des millions chez Kabila. Ils ont combattu Kabila. Mobutu avait des milliards. Les combattants de l'UDPS n'étaient pas partis fraîcher chez Mobutu pour avoir de l'argent. Bien entendu, Joseph Kabila en avait. Mais à fortiori, un vice-président de l'Assemblée nationale qui commence à prendre les combattants, à la traîner pour la mbongo, pour la poste. Donc, on a interdit aux gens de l'UDPS de ne pas émettre les libertés de pensée, de ne pas émettre les libertés d'expression, de ne pas émettre les libertés d'opinion. Parce que Bakoupé, ça y est posté. Alors que moi, Sylvain Moutombo, je suis entré à l'UDPS trop jeune pour cette liberté de pensée et d'opinion contre Mobutu. Contre Kabila, contre Moïse Kabila, qui de l'UDPS peut m'empêcher de réfléchir. Même s'il a 10 milliards de dollars à ses côtés-là, je vais lui rappeler ma première exclusion à l'université de Lubumbashi, trop jeune, à la vingtaine d'âge, chassé de l'université à cause de mes opinions politiques claires. L'université est apolitique, tu ne peux pas être politicien. J'ai dit au recteur, au COSI, c'est l'université qui est apolitique, les étudiants sont politiques parce qu'ils doivent diriger demain. Et j'ai gagné 3 procès contre l'université de Lubumbashi. J'ai été réhabilité. Et je suis licencié en droit de l'université de Lubumbashi. J'ai gardé la force de la liberté d'opinion et de pensée. Et ça, nous devons le transmettre chez d'autres jeunes. Allez, mais merci. Mais on a l'obéissance. Moutoua est une dictature. Namboka. Azanan. Aza Oyo Alingi Akosa peuple congolais. Pour Akosa lire Félix Tshisekedi. Au nom y a tribalisme. Na au nom il y a complexe. Il y a monde constitué plein de temps. Non. Mais pourquoi vous poursuivez Jean-Marc Kaboul? Mais là, c'est dans le lobby en haut. Vous n'avez pas combien de fautes. Alors. Moutouana Zouba identité Misatu. Pour Azouba avantage politique. Donc, à cause ça, Etienne Tshisekedi. À cause ça, Batounionso. Mais à cause Etienne Tshisekedi, parce que Etienne Tshisekedi, Aye Bisaki, entourage Naye, Wankwenda, Bukasa, Monsieur Labé Théo, secrétaire particulier, Maman Denise Loupetou, Alpha. Benga Ablavi et Boma. Benga Moutouna Moutou. Ah, bah, quoi, bisoke. Okay. Okoki Koko sa Tshisekedi te. Pour anomé yo, il faut mémérer ses CV. CV wana, ezalaki na biloko nyonso oyo. Biso te présenter aujourd'hui comme bah preuve. Ya lokuta. Pour na ko bénéficier na ba intérêt na ba avantage ya yu de pes. Na ya mboka. Pour o changer jugement na kombo na yo, il faut ezala. Kombo ezala a un caractère injurié. Ou un caractère provocateur. Mais comme moi, on a changé qui est pour la bonne côté, on a changé qui est pour balo bakazali kata, katange,
a bénéficié naba biloko nyonso ya kata ya katanga très bien kati ya ido pe na kati ya mbo na mboka. Merci. Kabunda kabunda n'est pas égal à kabund kabund. Allez. Kabund kabund n'est pas égal à kabund à kabund. Merci, on va revenir. On va revenir avant de terminer, on va prendre quelques éléments, nous sommes en direct. Bozola Ndabiso TV za radio T. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Nabato bazoko, si vous avez des questions, vous pouvez réagir en direct à travers le numéro où ils allaient afficher au bas de votre poste téléviseur. Bozola Facebook, bozoko ma question, bato bazana YouTube, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions si le besoin se présente. On va prendre quelques éléments. On va vider tous ces éléments. Parce que quand on va revenir, on va terminer. On va prendre Kabound poursuivi par le sujet indien. Après des ennuis judiciaires, Sylvain Moutombo étale la vraie identité auprès de la Chambre basse du Parlement. L'actionnaire majoritaire de l'entreprise Mouadjet, Madame Gweda Yav, a tenu à fixer l'opinion sur la sitting des agents de cette entreprise tenue le 9 août dernier. Tête à tête entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et le secrétaire général, le secrétaire d'État américain Anthony John Bracken, c'est mercredi 10 août à la primature. Et puis la question d'achat des plaques d'immatriculation a fait l'objet d'une divergence d'opinion dans les chefs des motocyclistes de la ville-province de Kinshasa, quelques jours avant le contrôle prévu par les autorités urbaines, ce vendredi. Allez, en image, on va prendre ces quatre éléments, on revient. On va prendre une dernière partie avec Sylvain Moutombo. À tout à l'heure. Après avoir rencontré mardi au palais présidentiel de Mongaliema, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le secrétaire d'État américain Anthony John Blinken a été reçu ce mercredi 10 août 2022 à la primature par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Après un tête-à-tête entre les deux hommes d'État, les échanges ont continué dans une réunion bilatérale entre les officiels congolais et américains. Les deux parties ont échangé sur plusieurs questions avec un accent particulier sur la sécurité, l'économie, la préservation de l'environnement, le développement et l'organisation des élections. À cette occasion, le secrétaire d'État américain a réitéré la volonté et la disponibilité des USA à pouvoir travailler ensemble avec la République démocratique du Congo sur toutes ces questions prioritaires. C'est un plaisir de retrouver le Premier ministre et de poursuivre les discussions que nous avons entamées hier avec le Président. Je pense que l'agenda que nous avons sur divers sujets, que ce soit les questions de la sécurité alimentaire, que ce soit les questions de la préservation du climat, que ce soit le travail que nous faisons ensemble pour soutenir la démocratie, pour aider également à trouver la paix et la sécurité en Congo de l'Est, tous ces sujets démontrent à la fois la profondeur et l'importance de nos relations et nous sommes ravis de pouvoir travailler ensemble. Le Premier ministre Samalou Kondé s'est dit très heureux d'accueillir le secrétaire d'État américain à la primature. Merci. Monsieur le secrétaire d'État, et bien sûr nos rencontres vont faire suite aux rencontres déjà démarrées avec son Excellence Monsieur le Président de la République. Et nous sommes très heureux de l'accueillir ici à la primature, à la maison dite de Lumumba. Signalons que la visite du diplomate américain s'inscrit dans la suite de la rencontre que le président de la République Félix Tshisekedi avait eue en octobre 2021 avec le président américain Joe Biden à Glasgow en marge de la COP26. Après le sit-in des agents de l'entreprise Mouadjet le 9 août dernier, réclamant leurs arriérés, Madame Gweda Yav a tenu à fixer l'opinion publique quant à ceux. Elle précise tout d'abord que l'entreprise Mouadjet est inactive depuis 4 mois. Cette inactivité est due à la dispute d'actionnariat entre elle, qui est l'actionnaire majoritaire, et son associé Henri Yav, représenté par son fils Michael Yav, qui a pris beaucoup de mal à gérer la société depuis sa désignation comme administrateur provisoire. Mouadjet est en cessation d'activité depuis 4 mois aussi. On a une dispute d'actionnariat. Moi, j'ai 60%. J'ai un actionnaire minoritaire qui a 40%. Et je ne veux pas porter des gants. Il s'agit de l'ancien ministre Henri Yav qui a mis son fils comme prête-nom et qui s'est donné
beaucoup de mal à prendre le contrôle de la société. En outre, Mme Guédéiaf accuse à son tour Mikaël Yav d'être à la base du non-paiement des agents de cette société d'aviation. J'ai manifesté ma volonté à ne plus vouloir travailler avec eux. Je leur ai demandé de partir, ils n'ont pas voulu. On a prononcé la dissolution de la société avec une liquidation. Ils ont fait une défense exécutée. Je ne veux pas commenter les décisions de justice parce qu'elles sont en cours. Mais chez Fonds en la justice, on ne peut pas demander à des employés de passer 4 mois sans leur salaire. Et je vois ces gens tous les jours réclamer qu'on leur paye leur argent, qu'on les libère. À l'argument de son associé qui l'accuse de refuser l'audit de l'entreprise, Madame Guédéiaf estime que son adresse est connue et que sa bonne gestion n'est même pas à démontrer. Ils ont toujours le prétexte que je ne veux pas d'un audit. Mais comme j'ai dit, mon adresse est connue. Dans la liquidation, il y a toujours l'audit. S'ils ont quelque chose à me réclamer, je répondrai de mes actes. Mais encore une fois, aujourd'hui, ils ont parlé de mes gestions. Mais tous ces 3 années, où était ma gestion? Comment j'ai pu obtenir des financements? Et pire encore, les avions de OneJet ont été achetés par un financement bancaire. Donc, mais c'est tout simplement de la folie de vouloir tenir un bateau qui est déjà en train de couler. L'actionnaire majoritaire de OneJet, Mme Guédéiaf, reste confiante en la justice congolaise et compte sur elle pour mettre fin à cette situation pour pouvoir payer les arriérés des employés. Signalant que c'est ce mercredi 10 août qu'aura lieu les procès en appel au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. À quelques heures de la fin du moratoire donné par le premier citoyen de la ville aux motocyclistes pour se conformer aux exigences de la circulation routière dans la ville province de Kinshasa par l'achat de plaques d'immatriculation et des casques de protection, l'engouement était au rendez-vous dans le point chaud de la ville où s'effectue la vente de ces plaques. Par exemple, ici au rond-point Willery, plus d'une vingtaine de motocyclistes se bousculent pour s'acquitter de leurs devoirs. Sur place, les avis des concernés divergent. Les uns saluent cette initiative qui permettra leur identification, mais restent sceptiques à la décision de port de casque par les clients. Mais alors, pour pousser ma plaque, et ça n'a pas de problème, et ça, identification à Bisso, va chauffer, pour bailler Bisso, par rapport à Nenge et Kumbel Nabisso, mais il n'y a pas de problème, tout ça, Somba. Numéro de matriculation, tout ça, Somba, et ça, servir Bisso, et ça, ma rambe belé. Pourquoi ça, là, au quoi, à travers plaque, n'a pas de numéro qui n'a pas de numéro qui n'a pas de volant. Mais ma caméra, 3 casques, négocie, m'baté. Pour la casque, il y a un client. Il y a un client, il y a un client, il y a un client, il y a un client. Est-ce que. Il y a un client qui a été fait pour les gens qui ont été faits. Il y a un client qui a été fait pour les gens qui ont été faits. Il y a un client qui a été fait pour les gens qui ont été faits. Les autres, par contre, restent méfiants quant à cette décision, car disent-ils, jusqu'alors, ils ne savent à quoi servirait le frais payé, parce qu'au préalable, l'argent perçu pour les tickets n'a servi à rien. Pour le moment, nous sommes plagués. Mais la contribution, premièrement, na ba mbongo ya ba jeto ya 500 500 wana to yebi place na yebi te soki l'état landi la ba mbongo ango te za mbongo ebele ba yeli susu to somba plaque na yoki ne général lobby nini le 11 c'est que lobby soza na plaque te ebeba ebeba. À cela s'ajoute les divergences de plaques qui fait toujours objet de tracasseries. Eza na plaque mi balé plaque ezo utana caché ya RDC. Na plaque aux gens sans cacher. Maman, je vous dis des choses qui sont réelles. Ngaba kaninga na wakading. Nazana plaque aux gens à cacher oyo. Ba roulage ba boyango. Ba lobi tozol ka plaque aux gens à cacher oyo te oyo. Maman, na ken a changé. Na somi plaque oyo. Na ken su ba kaninga ba bisinga tozomo na cacher de cette na plaque. Na zo tuna. Plaque oyo. D'ici peu, débutera les contrôles sur toutes les artères de la capitale quant au respect de cette décision. Aux motocyclistes, de se conformer, car dit-on, Nino décide la loi. Le samedi passé, où nous avons tenu un point de presse pour dénoncer
le comportement de fausseurs, de fossoyeurs, de délinquance, d'État, d'immoralité politique dans le chef de M. Jean-Marc Akabound Akabound, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, pour que le président Mbosso ainsi que tous les députés de notre institution puissent connaître davantage la personne. Et nous avons déposé toutes les pièces bien cotées et certifiées conformes aux originales afin de permettre à l'Assemblée nationale de comprendre qui a été vice-président de l'Assemblée nationale pendant un bout de temps avec des identités douteuses, mensongères même, parce que la vérité est maintenant connue de tout le peuple congolais. Et la même démarche, nous allons la faire auprès de toutes les institutions et même auprès du président de la République, nous allons déposer auprès du procureur près la Cour de cassation, auprès du procureur près la Cour constitutionnelle, afin que chacun, en ce qui le concerne, puisse utiliser la loi, afin que M. Kabound puisse répondre de tous ces actes contraires à la loi. Allez, on va terminer dernier round avec Sylvain Mutombo. Ma question, à Batuza, moi, est belé. Ma question, à Batuza, belé. Aïe. Oh là là. Bon, on va revenir, il n'y a pas de problème. Maître Sylvain Mutombo. Oh là là. Mandat 2023, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Ezobangisa. Avec quel discours vous comptez affronter Katumbi, Fayulu? Avec quel bilan? Le social, les peuples d'abord. Les gens réclament. Comment vous allez vous comporter en 2023? Avec quelle victoire vous comptez avoir? Avec quel discours comptez-vous avoir deuxième mandat? Alors que selon Batou Bilan, ils ont mitigé. Selon Batou, la souffrance a augmenté. Selon Batou, Félix, c'est un danger au sommet de l'État. Félix Tshisekedi représente la honte pour la République. Félix Tshisekedi a trahi le combat du vieux. En 2023, on vous a même traité régime, l'amener au régime, il y a pas jouisseur, il y a pas prédateur, il y a pas faquois, il y a pas frappeur. Hein? Régime de tout monde. 2023, comment gagnerez-vous les élections? Avec quel bilan, de quelle stratégie? Je me répète encore. Vous avez le temps, vous avez le temps. Que Félix Tshisekedi Tshilombo, avec toutes les forces qui l'accompagnent, va gagner les élections de 2023 et il passera le flambeau en 2028 à un autre tshisekédiste pour la conservation éternelle du pouvoir. Mais nous ne pouvons pas dire que nous allons gagner les élections quand on est divisé. Là, je lance un appel à tous les tshisekédistes mondiaux qui veulent nous rejoindre pour accompagner le président Félix Tshisekedi. Ainsi, accompagner la conservation du pouvoir après lui, après celui qui viendra. Baya, basse à la biso confiance, toya. Mais par rapport à bilan, la biso, et aux alakaka, bilan contre bilan. Quand je parle du bilan contre bilan, ils ont le banin. Ce qu'on y est, le biso aux bouddhistes, toko tout na yo, 32 ans na yo, au sala, nin, mobomi, mouyibi, destruction système éducatif, destruction des systèmes de sécurité, destruction, il y a aspect économique, la biso, la biso, la biso. Ce qu'on y est en 2018, tu connais Bisayoni, Mobomi, mon côté ici bas Rwandais, mon côté ici bas M23, mon côté ici RDC, mon côté ici MLC, mouvement rebelle, mon côté ici RDC, Koma, mon côté ici Mundundu 46, mon côté ici CNDP, mon côté ici mouvement rebelle, Nyonso, Namboka, Nako Bébi, sa système de sécurité, Nabiso. Na système éducatif, na système économique na biso. Toko rappelé bango. Onyon soit foule monoko. To baissier 18 ans na yo, mes gestions, pas de conseil des ministres, pas de suivi des dossiers, pas de compétences pour l'IGF, détournement systématisé, les cartes, y'a quoi y'a mon à l'État, n'a pas banque, n'y a pas voyage, n'y a pas lingi, n'a pas mis à liste na biso. Mais biso toye na 3 ans, toko l'axabangoni. Botika ki gombe na maboule pa ki mbuta.
ma chantier, commerce, on a ma bolou, ma vie, non, je suis la quitter. Bakende kotal, chantier, ça le soit, toba mine de banzela sika, oignon, soba baby saki, basil saki, tosili siango, toke na ngiringir, toke na kitambo, a kwa mutuana, toke na ipen, ba masikita, awa na kishasa, awa bango ba kokaiti kosala na wumia bazo e pa ba chinois, wumia ba chinois, ma kabola kindegeni, oye ke na présidence, demia, hein, frère de cacahuètes et de chingom, des enfants. La rubrique, 2 milliards. Homme sous Eke, il y a un mandataire, frais de fonctionnement pour les champs du raïs, du raïs. Partage, ça gagne ça. Bakaboul. Bazou 2 milliards, basali, boulevard, Lumumba. Basali, yango, mabe sans automoto, basili, si yango, maman en embouteillage. Aucun aéroport, il faut ça à 8h du temps, 5h du temps, 10h du temps. Bah, quand même, bisotoye. To sali, libino sans automoto, to réfléchir. Tu as mis maïele, tu as séparé ma bande, tu as dit, ok, dans l'aéroport, ça a 1h du temps, ou 2h du temps, ou comme il peut au zongi. Mon papa, ce qu'il y a à respecter, biso. Ah, ou on a 30 juin, parce que ça a 2 milliards, ou on a. Il y a 5 chantiers. Et c'est là qu'il y a une opération chargée de tromper les Chinois en revanche et en échange de minéraux et de 8 milliards pour les détournements. Tu as dit, ah, ou, triomphal, 30 juin. Ou comme il y a, moi, en bouteillage, moi, à l'aise. Maïele, à moutou, n'a pas infra. Infrastructure. Tokoni kakawana te. Tokoti na ba province nyonso. Ti na Équateur. Bazala na goudron te. Bazo sala banzela goudron na Équateur. Baba ou elekuna. Bazala banzela ki tokote. Baza ko sala banzela. Félix a attaqué 26 provinces. Kole kambongo o balia biso. Ya 5 chantiers 8 milliards. Na l'air 18 ans. Mais biso to yena 3 ans et demi na biso oyo. Totika na quelques mois pour toke na ba élection. Félix se gedi a réalisé. Kole kabango en termes d'infrastructure à Sika. Kende awa en face à parler du peuple. Mon abilo gozo sale mawana. Awa na kishasa awa. Na nome mayo sika moussouswana. Tokomi na ba zone économique awa. Nya bisou a malouko. Kala mingi toko mona ba industrie pour banda. Eza ndoto a ba bate. Eza ba réalisation. Tolingi to teka ba bloc pétrolier. Na génie blan abiso Didier Boudin. Wokomi koloba. Oh, eza mabe. Pombogi kota na mboka te. Mbongo et Kokota, tomatis réserve de change de 100%. Yabango 800 millions. Totiango Pembeni, 1 million 500 2019. À ce jour, 4 milliards 200 millions. 1 milliard 500 millions. À ce jour, 4 milliards 200 millions de dollars. Nalobina moi Kadi, chapeau bas. Nalobina Vionangai, Nicolas Kazadi, chapeau bas. Nalobi, là les grands gladiateurs. Oya Bisozo Kanga. Au Sakanaka, au Pesa rapport. IGF, Jules, nous devons les sécuriser, nous tous ici. A bloqué, bababa, exonération, y'a mouyibi. Oh, et pour ça, monopole, y'a mpiodi. Monopole, va frégérer, moussousou, na famille, à Batukingandi. Et quand t'as gratuitement, mes taxes et belé, bote, quand très cher. Il faut un petit temps. To bongi, si côté, wana. Monsou, le komi, kokota. Mbongwe, mati. Ancien combattant, to kouta, qui en a 5000 francs. Ngai to bundi na chef de l'état tomatisi le bango d'abord 30 000 2019 tongo na 30 000 lelo komi 250 000 veuve kozwa 250 000 et ça projet te comme et ça projet c'est déjà en application déjà moi o ba banda kozwa mbongo papa on a zone ba tomatisi li mbongo ba fonctionner o ba koti na 40% 40% 50% mati et komi ba ba soit ba 600 000 ba musu ba komi na 800 000 ba musu ba komi na 700 000 et loko wana ye ko sala face na biloko ba matisa ki na désordre pona ko faire échec na so na social. Si quoi, coût d'achat, y a individu. On va dire qu'on a $1 na e, et l'autre, $1 est mati cher, cher. Et comme la valeur est $2. Ce qui est plus, c'est que tu multiplies le salaire na e fois 2 fois 3. Tu crées moins équilibre sur le plan social. En même temps, tu as boosté production interne. Bilanga. L'andaba programme Oyo, national, la bise à Bilanga. Oh, bah, ça, ça n'est pas un ministre de l'agriculture. Désiré Birianzi. L'anda secteur, on a ben à eau. On peut comprendre que, tu as un achat et belé. Oh, les nationales, ma province, et qu'on va grenier, belé. N'a pas grenier, on est qu'on réduit toi à importation, il y a ma sangou, n'a bilo comme soussou. Donc, on met qu'à moi, n'dangou, qu'on m'y suffire. Soit qui va tout, ma bébé, si m'boka pendant 32 ans. Ma bébé, si ango, ma bébé, si ango pendant 18 ans. Ça, là, 32 plus 18. 40 ans à destruction, ma, massive. Ce que 40 ans à destruction massive, on a. Ozo, l'inga, kaka, biso, moko. Ce qui 60 ans à destruction massive. Biso, moko, toi, y'a kaka, l'élo. Malamoko. N'a l'autre placé, ba balise, t'es. Balise, c'est ça, ni.
balise Erani, balise stratégique, balise maria managériale. Bongiza d'abord fondation, est-ce qu'il y a quelque chose Nde balise, nde IGF wana, na Mwakadi, na, na Nicolas Kazadi, bazako sala, ma entreprise oyo, ya recette, ya l'état, obi misaka mousolo, et zonga na gestion normale. Ya wana nebo la gestion de qualité. Ya wana nebo la salaire 2023. Et zon salema, et zon matisa mbongo, mbongo salaire, to tiens la poche na bisote, tout nangay. Ba soda, to matisipe. Policier, to matisipe. Bango ba yé 18 ans, ba matisa salaire la police, ta. Ma mise à salaire à soldat. 18 ans à Kabila, a matisse à salaire à soldat une fois. Félix Aïe, ton matisse à moi trois fois. Et tu as dit que ton matisse à moi d'une façon exponentielle. Et tu as dit que moi, les belles. Bodo te batte une de vos petits. Non, non. Nan bongo, ton matisse, il va moi et coquitter. Et ça, bongo, mouke. Soldat, il faut azala le mieux payé. Mouto a qu'on batte la bisou. Mouto a empêché balkanisation. Mouto a empêché mbokae. Et ça, la cédé pas de Rwandais. Pas de Burundais, pas les autres pays qui nous ont agressés hier. Moutoua naza soldat, moutoua naza policier, moutoua naza agent ANR, moutoua naza agent DGM. Moutoua ne faut mieux traité. Et là, je remercie le président de la République qui n'a pas voulu trop parler, mais qui est en train de passer par les actes. Très bien. Et ces actes-là trompent les adversaires. Et là, j'ai dit, quand nous serons pendant la campagne, moi, Sylvain Moutombo, je suis directeur des campagnes du président Félix Tshisekedi, de tous les Tshisekedi mondial, étant donné que je suis le patron du RDT. En cette qualité, j'enfronterai scientifiquement tous les challengers qui seront contre Félix Tshisekedi dans les plateaux de télévision en présentant scientifiquement, académiquement et aussi ce qui est assez, tout là tu peux m'écander assez, tout côté ici, pour que Moutounion soit aillé par bilan, il y a Félix Tshisekedi dans la diplomatie. La diplomatie américaine aillé. On va parler de ça. On va parler. On va terminer par là. Pour vous, allez ministre, ancien combattant, mais vous allez la défense. Vous allez ministre délégué à la défense. Mais exactement. Avec portefeuille. Vous allez la défense. Exactement. Vous allez bien la vice-ministre. Il faut vous rappeler la banque. Voilà. Vous allez ministre avec portefeuille, avec un cabinet comme tout ministre. Traité comme tout ministre et non pas comme un vice-ministre. Très bien. Voilà. On va parler, moi, ma Kamboa Est, Wana. Vous allez la défense, au Yubi, moi, bah, c'est que rebelle, faut Yubi Sabiso. Au place, Wana, les autres, Visa Batomique, Batmazo, Yubate, ma Kamboa Est, bah, décision, bah, état de siège, comment les choses ont évolué, tout le monde, Bango, tout le banane, ma Kamboa, bah, casque blé, leur comportement, pourquoi, tout le monde, Bengana, Moutouroua, Kare, Gawaza, Kendete, quelle attitude nous devons avoir pour le moment par rapport à la situation à Est? Au moment où le Rwanda est cité, pointé du doigt, confirmé que Warren Mutazo a appuyé M23. Pourquoi le gouvernement ne fait pas la guerre? Quelle est la mesure spéciale gouvernement? Il faut avoir toute la vérité autour de la guerre de l'Est à l'Union Sabson. Alors, on va suivre d'abord le bulletin, s'il vous plaît. On va suivre le bulletin pour 5 minutes. Et puis, je reviens ici. On va entamer. Dernière partie sera consacrée sur la question de l'Est du pays. À tout à l'heure. Bosolo TV, na lisanga ndeto kubongisa Congo. Merci de faire confiance à Bosolo Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi en fin de soirée à N'Djamena où il participera ce jeudi à la cérémonie du 70e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Au bas de la passerelle, il a été accueilli par son homologue tchadien, Mamad Idriss Déby. Après un bref entretien entre lui et son homologue, le président Félix Antoine Tshisekedi a pris à la sortie de l'aérogare un bain de foule impressionnant de la diaspora congolaise du Tchad qu'il a ovationné à tout rompre avant de se rendre au palais présidentiel de N'Djamena où un dîner est offert aux invités de marque. Il est prévu ce jeudi 11 août 2022 à la place de la Nation une grande cérémonie qui connaîtra trois temps forts, à savoir le passage en revue des troupes, les dépôts de gerbes de fleurs au monument des morts et enfin un défilé aérien pédestre et monotorisé. Outre la présence du président Tshisekedi, il faut également
également signalé la présence d'un autre chef d'État à cette cérémonie du 62e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Il s'agit de Oumaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et président d'exercice de la CEDEAO. Après le Premier ministre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a échangé ce mercredi 10 août 2022 avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, à l'occasion d'une activité organisée par Internews dans la concession Côte-Est, en Galima, une des communes de la capitale Kinshasa, le numéro 1 de la CENI, et ses diplomates américains ont profité pour faire la visite des stands gérés par des jeunes qui travaillent pour proposer une solution numérique en vue de mieux vulgariser l'information électorale. Activité qui durera 2 jours. Rappelons qu'avant cet échange, Blinken a été reçu par le Premier ministre Samalou Kondé à la primature et la traitienne a tourné notamment autour des questions d'ordre sécuritaire, économique et environnemental. La prison de Kakwangura, en ville de Butembo, province du Nord-Kivu, a été la cible d'une attaque des hommes armés le mercredi 10 août 2022 aux environs de 10h du matin. Les assaillants, qui seraient des forces démocratiques alliées à l'ADF, venus de la vallée de Mualika, dans les rifts albertains du parc national des Virunga, ont attaqué la prison dans l'objectif de libérer le leur et rechercher de l'effectif pour gonfler leur mouvement, a fait savoir le capitaine Anthony Mualishaï, porte-parole des opérations Sukola 1. Parmi les personnes recherchées par les ADF figurent un certain Kizito, figure de proue dans leur mouvement, et 12 de leurs femmes qui étaient détenues. Les assaillants ont utilisé une meuleuse pour casser la porte de la prison et faire évader les détenus. Le personnel du ministère de la Justice s'est réjoui le mercredi 10 août 2022 de l'obtention et de l'accroissement de leurs primes qu'ils attendaient depuis 12 ans. Approximativement, les montants sont passés pour les uns de 150 000 francs congolais à 300 000 francs congolais et pour d'autres de 450 000 francs congolais à 1 464 000, renseigne une note du ministère de la Justice parvenue à votre rédaction. Cet accroissement est le fruit des efforts consentis par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, qui s'était engagée dès la prise des fonctions à améliorer les conditions de travail de son personnel. À ce jour, elle s'est réjouie de la matérialisation de l'une de ses promesses. Cela fait 2 jours que les activités académiques à l'université de Kisangani Unikis se sont paralysées suite à la manifestation de finalistes contre le paiement des frais d'entérinement des diplômes fixés par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïno Zangui. D'après les communiqués publiés le 8 août, les finalistes de graduat et de licence sont soumis au paiement des $75, soit 150 000 francs congolais pour les contrôles de scolarité d'ici le 14 août. Un délai jugé trop court car le même jour devra passer l'équipe de contrôle. D'autres conditions sont entre autres le paiement de la première tranche des frais académiques, les dépôts de l'original du diplôme d'État ou confirmation de réussite et les données des fiches de scolarité. En dépit de 2 mois supplémentaires leur accordés pour se conformer à cette exigence, les finalistes ont manifesté sur la grande route qui conduit vers leur université où ils ont brûlé des pneus pour empêcher l'accès à l'université, perturbant la circulation, rapportent des sources locales. C'est désormais officiel. Le secrétaire national chargé de la communication et médias du PPRD vient de rallonger la liste des acteurs politiques arrêtés pour leurs opinions. Arrêté placé sous mandat d'arrêt provisoire, Jimmy Kitenge, ce jeune cadre du PPRD, a été déposé à la prison centrale de Makala. Il est poursuivi pour affirmation grave impliquant la première dame de la République et injure publique. Après avoir passé plus de 2 semaines dans les cachots de l'Agence nationale de renseignement ANR, Jimmy Kitenge a quitté le parquet général de Gombe pour prendre la direction de Makala, où la chambre 1 du pavillon 2A lui a été réservée depuis ce mardi 9 août 2022. Selon la plupart des observateurs, l'arrestation et la détention de Jean Makabunda Kabunda, Jimmy Kitenge et tant d'autres opposants au régime à la prison centrale de Makala est une preuve éloquente que l'état des droits est en train de s'écrouler en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et bonne suite du programme sur votre chaîne Bosolo Télévision. Au revoir.
beaucoup, Jérémy Nguemi. On reprend l'antenne. Pour terminer, Sylvain Mutombo. Nous sommes en direct. Dans le Balroi, vieux Kaboulo. Sylvain Mutombo. Ah oui, nous sommes en direct. Allez, votre réaction. Vous avez suivi les journaux, hein. Au même la journal, on déplore toujours les arrestations, selon une certaine opinion, qualifiées des arrestations arbitraires. Je venais de le dire tout à l'heure. Qu'il n'y a pas d'arrestation arbitraire quand quelqu'un a commis des infractions. Les services de sécurité ainsi que la justice, ils ont la compétence, bien entendu, en respectant toutes les procédures à la matière, pour mettre la main et les déférer à qui de droit et fixer les dossiers au tribunal. Bientôt là, on va fixer les dossiers Kabound et nous voudrions que ce soit public. Bientôt là, on va fixer les dossiers de mon frère Jimmy Kitenge du PPRD. La population congolaise va suivre ces deux procès. Ils vont comprendre que les questions qui seront posées par le magistrat n'auront rien à voir avec les opinions personnelles ou alors la liberté d'expression ou la liberté de penser. Ils vont comprendre qu'ils sont poursuivis pénalement pour des actes posés contraires à la loi. Et ça sera prouvé bientôt là. Ces affaires seront fixées. Et je demande que ça soit public, afin qu'on puisse démontrer au peuple congolais le régime Tshisekedi, c'est un régime, un état de droit, et qui est en train de s'envoler pour être un état de droit démocratique. Très bien. Je pense que le procès va fixer l'affaire. Il va fixer l'affaire. Il va fixer l'affaire. Mais il va fixer l'affaire. Je le dis et puis je le répète. Population congolaise. Bande konangai, to finga la te. Nazo senga bino, to tika ko finga. Surtout, par rapport à ma vie privée à batu, na bonde libino. Soki batu ba finga ka, nandimi. Mais est-ce qu'on peut pas arrêter? Est-ce qu'on ne peut pas arrêter? To finga la batour te. On peut ba finga ka, soki komi tourna bisa ko finga. Finalement, soki moutouno so fozo wana tourna e a finga ka. Mokile aussi la nango. À quand la fin de cette mélodie? To fingate, s'il vous plaît. Nalobagi na bino après 25 ans, bazara flatter, il faut dire la vérité. Il faut regarder quelqu'un en face, il faut l'aider. Critiquer, attaquer, rejeter en bloc. Moutalobi, oloko lobite, oyo lobi, ala c'est l'oyo, mais moi je pense. Oza moutou, pesa ma cantina. Mais ko fingate, ko kota na vie privée à batoute. Nenge tozo sangana mona ki frère Patrice Mokomiso Zazo et Mbalobi. To finga na biso na basale na nzambete. Effectivement. Sa dit tolo bakamaka na biso ya politique biso na biso. Mais basi na biso na bana bakota na katite. Po, musala magistrat izani. Magistrat zawa, yo lobi makamu na ndenge na yo. Il faut boye bakamaka mboyo. Ministère public a koyo ko poursuivre moto sur likambo. Même so ki plenye anzate. Ça dit, au lobby, ma camarade, on a balabala, le ministère public a quoi, sur une vidéo. Sans qu'il y ait un plaignant. Azan a besoin de plaignant. Il y a un plaignant. Il peut poursuivre la personne. Déclencher l'action. Il y a quoi, la fouboué, baran. Sans boye, bien, gote, bokantaloko, là, nani a fondi. Pour tout ça, la tendance à ma question, nani a fondi moutou. Je ne défends personne, mais je dois vous expliquer ça. Le nengo finga à moutou nanzela, au fingi moutou boye, au lobby, loko boye. Makamwane yokani na matoi ya batu. Ministère public azoleka. Akoki ko kamatali kambuana akangeli yo yangu. Même solution. Sur place makangi yo. Sans ke plenye azala. Tang tozo loba. Toza raimoko minokomikie me matoi melai. Toyo kaka mingi. Eko lobande zala kamwa muke. Yo lobi makamuna nenge na yo. Okani si koza na rezon. Muto yo lobeli. Amonike. Makamu yo lobi oza la rezon te. Aza leze. A qui a fondi yo? Magistrat bengi alobi, bandela makambo. Eloko bazo sengoka makambo loba kiwana. Bandela nde bakoma. Eloko alibosu ba sengoka. Ndeko mandeko loba me. Loba lisu soa me bakoma kande. Na loba na bino juru to banda. Ko funda na mingi na leta. Respect ko kota mituel. So to bando finga. Ko funda na mingi. O finga ka tufi ya mama no babi azela. O komi tufi ya mama na bakomi. Et bien, là, vous faites là. Oui, ami, balo, bah, c'est Ezanini. Et bien, ben, na yoko. Ça va commis deux fois. Parce qu'on va mis sur Mukanda. Ozonga normal. Injure public. À un certain moment, tous en a moi, bah, retenu.
Nazali d'accord au loba na mutu bakambu. Nengo lo bien les agabongo te ngala o kanza bongo te lobe la vérité. Mais ko finga été. Anga na droit place liberté no suki a yepe bandi. Toi là na moi bo keseni. Nazo comprendre fingeli o toi na ngote. O toi facile makambazo loba. Yo pesi ba information sur mutu. To lobe lo. Ba bengi o bandala kaka makambo loba ki me bakoma. Ozoka mabe pona nini. Loba kaka. Pe la kisa bango ke yo zana raison. Bibi sa bargiman eseli. Nde to koyeba. So Guillaume Tozala qui a raison, bako tchaka mobeko. Mobeko eza loko la mode opératoire, eza déjà prédéfini. Eza loko la netro baka menu, ya restaurant yvan naka, ne mobeko eza li. Yomo konde ko se conforme. Bako créer infraction te, ba infraction eza li eza laka. Olo pe eza te eza te. Toza kana mwa bo moto. Toza na mwa. Tozo finga na mingi, ba receiver nanzela. Nani ya mama na yo? Bako bazana ma finga na bango. Nani ya mama na yo? Ya papa na yo? Bonjour, ma bengo, ma bibande la kande ngolo bagi bakoma. Na recevoir ngolo bagi zaga procès politique. Eri angoyo. To bate la minoko na biso. To bate la minoko. Loba na bato so bazo sala mabe. Loba ngai ma mufayu la lobby on a za d'accord na ngote. Pesa opinion na yo. Voilà. Nga la pesa ka opinion jour mususu na lobaka clair. Na lobaka ke pona ngai génération ba politiciens nyonso na zomona mta recevoir Congo te. Na baki Félix Tshisekedi, Fayulu, Moïse Katumbi, Bemba, Muzitu. Bango nyonso, bauti presque na bekol moko. Ngai nazo mona ke, tokoze la espoir na bato nyonso te, eza la Félix Tshisekedi, eza la Katumbi, eza la Fayulu. Ngai Israël mutu mona zo croire te ke tozo espoir na bango. Naza mutu nako se trompe, mais ba indice nga nazala ngo, nazo mona espoir e kozala te. C'est un point de vue. Un point de vue. Mais mutu mzuzu pa koe bisa habite, Fayulu nda za lider. So yi Fayulu aye mboka ote ko ma paradis. Eza point de vue na yi. Voilà. Mutu mzuzu koe bisa habite, jour Katumbi akoya, nebo ba nomona, Kana wa bana Israel ba kanaka yonde ba kumona. Eza point de vue na ye. Mutu msu pa kolo bate na Tshisekedi nde. Toko sala 15 manda. Eza point de vue na ye. Nde ba benga ka tolerance. Yo mutu liya ka nkovi. Nga la liya ka madesu. Puruko zo sala marche po yo ki nga la liye madesu. Eske rezon ya madesu penze ko sali so marche. Pe o sali si ba renyo la lemba. Alors que nga la zo liya ka madesu. Trouve ango normal. Mutu a zo liya mbwa. Mutu a zo liya magorodo. C'est un problème de choix. Donc. Toye ba mwa babilo kuwana. Toye ba mwa muke muke. Zalaka. Defo ba benga abiso na makambu. Ba vingi nga boye. Toba sali nga boye boye. Yoku tunde mutoza. Lelonde na zoe pisabino pou termine. Nambanda ka na bikoro. Sobo komi na bikoro. Na haki na bikoro. Bitumbe lobu na bikoro. Tisiko ba bomi batumi bale. Nandengo na olo bao. Ba jeni mi bale. Bazo swana na ndenge na bao. Na kati ya ko swana. Ba komi obunda. Moko akamati azoksi muninga la mbeli. Le colonel ya police aza informé. Je donne l'information à tout le monde, vous pouvez vérifier ça. Qu'est-ce que le colonel fait? Atindi ba soda la e, baka na rétablir ordre. Mais malheureusement quand les policiers arrivent na ba dérapage na bango, au lieu bazwa ta des individus baka nga bango, po ba yoka bango. Ba réussir kozwa moto azoksi muninga te. Moto ya bwanyere muninga kimi. Baresir kozwa moto yo azoki. Olie ba kene en hôpital. Amaterisme ya police wana. Ba memye na kasho. Moto na pota zo senye. Akufikuna na kasho. Ba kamati kor. Ba memye na hôpital ya mikoro. Ba kena ngolo kwa malade. Police linga kosa. Minganga balobite. Oeza arrive mor. Moto aza ya kukufa. Oeza na bomoite. Bato bazakana bayoki sangwe panzani na mboka. Moto akufi. Désordre la batamboka bakei. Makambo e salami lelo. Eza lobite na nena olo babu izo salam. Bakei ku atake ndaku ya colonel. Naluki monsieur ate. Administrateur ate ito anazuyete. Balobi semble ti la zara Kinshasa. Men naluki anazuyete. Colonel akimi. Basoda bakimi. Abete yi masasi pona u dispersé bakimi. Masasi yon bazo bete bomi sou deuxième personne. Na minuto to zana bi bembemi balena. Bi koro. Nenge na olo babu. Et à on a pété ta magie, l'information est confirmée dans la minute où on est dans la zone. J'ai parlé avec des gens à Bikoro, selon ce qu'ils m'ont dit. Là, on a ce qu'on. Tout ça, là, très attention. Le respect mutuel, c'est toujours important. Le respect dans la société. Moi, na banga mukolo, mukolo pe azana respect vis-à-vis na yo. Tout ça, bakondi pe bazana ba obligation. Moutou na moutou azana bande na yo, il faut respecter. Tant aux autres, on a TV. Tangozo finga, surtout na ba réseaux sociaux. Moi sinon a yebite, obete liye pe li solote. Bana no ba yebite,
pasteur a yebite bandeko ba yebite jour nde bakangi yo ne komiote nga nazo bela mingi d'abord madame azana zeme akobota kala mingi te ndo bandi ko rappeler batu makambo batu ayebagite. Soyons prudents, soyons élégants vis-à-vis de nous-mêmes. Attaquer les gens par rapport à la loba qui ango. Moutounyo soit ça la politique. Par exemple, na malao soit na période mo na vienanga bakonga. Mais j'attaquais bakonga non pas en tant qu'individu, mais par rapport à fonction ya bakonga. Mais via longwa na ye, soyo kanga la beta masola bakonga. Na kolobate po ezat vie privée ya bakonga. Bien que na za pire petit na ye toko kutana na vie to sololi, to kaboli eloko toko kabola. Mais la colobela sou bakonga na TVT parce que bakonga za sou na fonction te. Mais yo mutoza na fonction ezanda kwa tata na hote obota makana ngote soko simbi yango toko beta ya boule rouge c'est normal ko za bou porta poza na Jesu ya mboka mais soko tiki yango toko lo bangote bande ko be minako c'est aya ki président assemblée nationale yo ganga la tanga makambo be minako akotanga ngote poza na Jesu te siko Jesu ezani za sama lukonde Jesu ezanani eza Nicolas Kazani Jesu ezanani eza Budimbu Jesu ezanani eza oyo nani Muindo Zangi eza Sheribe Okende eza Liaou batu sengeli to attaquer par rapport à Jesu na bango eza Félix Tshisekedi lobana ye yebisa vérité ko banga été lobana ye mais lobana ye na moi respect na limite po aza pe na ba droit yo po za na ba droit na ko attaquer ba propos ya Fayulu na ko attaquer moi ça Fayulu te na ko attaquer ba na Fayulu te po za vie privée ya Fayulu kaka ba propos ya Fayulu ne zo intéressé ngai po na contredire ye. Mais Makamusu et Tsikali, beaucoup de respect pour Fayulu. Fayulu a koki kwa attaque ngai. Katumbi a koki kwa attaque ngai. Félix Tshisekedi a koki kwa attaque ngai. A attaque ngai. Bana nangala na mwasi nangai te. Tika mama sango, tika bana sango. C'est ça la vie privée. Il y a aussi une vie publique ne tozo salabo. To salaba je biso na biso. Na ba famille te, s'il vous plaît. Tango bozo tout mola batu. Batu na batu bana ndenge ba réagir saka. Mutu muzuzo tout molié. A monique nana moutou na okene na justice te famille koko ma makambwebele. Moutou moussa ko bo mayo. Vie zara makambwebele, ce sont des conseils que je vous donne. Je n'envoie pas de gens pour babo mabino. Mais zara moutou moussou zou moutou meko souka. Ami moutou a tout moni nga mingi, soit talobi nga mingi, soit na kena l'état, a ebani na batou. Moutou moussa ko tcha mbeli. Na lobi na bino te bo tcha batou mbeli. Mais je vous dis que ma réaction est bizarre. Moutou moussou ko kouta bo babo mi e ba tchena mai, azo tiola. Yo kanti babo make pona nini. Ta moussou yoloko babo make oye ba ki angote. Ce qui est là, qui a expliqué pourquoi ma koufi, ton gars qui tombe à ma kamboebele. Il faut faire très attention. Sylvain Moutoumbo. Boni François Béa, Bokangaye Ponani. Boni Tokangaye. Nana Kangaka. Et ça, régime. Mibeko. Nakatia régime. Bakangeli, Bakangi François Béa Ponani. Je pense que, professeur Wana, aux journalistes, aux Olandango, ngai na mi intéressé mingi na procès wana te parce que ba elema nango oyo ya ebandeli na oya sikoyo na zoyo ka batu mso ali procès a senga ki liberté provisoire eza en cours ba avocat ba senga ki ba récusé composition ezala ki wana c'est tout un droit pour un prévenu. Attendons la suite. J'aurais appris que le dossier est vide. Si le dossier est vide, il bénéficiera de tous ses droits garantis par la Constitution. C'est la liberté. Très bien. Alors parlons. Caméra est libre. Ah ouais. Parlons de l'Est du pays. Mais avant cela, moi, Bémo la mouké pour Nayo. Tant que vous ministre, Batoua Gambé la Bazo a accusé que se comportera le quoi à Pomba. Oye, au Kamati, contrat à Mokona, à Banque, à Indo Pakistanais. Obani ko zo ba mbongo ya ba magasin o eza le long ya marché Gambela na veni Gambela bien sûr alors que mbongo ana ngela ke kota normalement na compte ya marché Gambela mais o dérouté mbongo ana o fongola ba compte moko fictif o ba tuba ébiter. Quel est votre point de vue? D'ailleurs nationaza ya ko sepela makasi na question wana na ko senga yo ozo a caméra na yo ozonga na Gambela o kende ko tuna bato baza ko travailler na Gambela. Les médecins qui sont dans de très bonnes conditions, les médecins qui réclament même un retour au gouvernement, mais ce n'est pas moi qui décide, pour qu'il y ait de quoi achever l'œuvre. Ceux qui ont dit que Lobby Sylvain Moutombo a dit que 10 francs, 20 francs, il y a que Akosi,
Nakutaki 75 ans après, Bali akambongo wana, et pas miibi, bandongolumisu, baye koti ke langa mbongo, deux fois, trois fois, na bloqué mbongo wana. Mbongo ba loyer, y a ben ancien combattant. Et ça mbongo zotan na gouvernement. Et ça mbongo bandi kolia, y a bien ben ancien combattant. J'ai centralisé ça. Et en centralisant ça, j'ai commencé les travaux. Tout ce que vous avez vu à Gambela là, au Totongi na Gambela wana, et ça mbongo wana. Et ça mbongo gouvernement yote na budget. Nazoata $1 ya kotonga na ngote. Je suis venu, j'ai valorisé les secteurs en récupérant tous les biens qui les appartenaient, en récupérant tous les loyers qui entraient dans les poches des individus. Parce qu'on est venu me donner trois mois après ma gestion, l'argent des anciens combattants pour aller en côté. J'avais donné l'ordre au secrétaire général et aux anciens combattants. Plus jamais aussi Mbaka Mbongo Oyo. Mbongo Oyo et Bandakoya et Debango Batonga. Allez-y voir. Il y a une grande salle de 3000 personnes là-bas, à Gambela. Mais on a construit ça avec l'argent. C'est avec cet argent. Mais 75 ans après, il y avait 10 lits d'anciens combattants, sang. 10 lits, il y a des malades. Dans la commission hôpital, il y a des salles, il y a des malades. Il y a des gens jusqu'à 200 lits. Et si il y a des médecins, il y a des bureaux. J'ai signé un contrat. Batongi, ba bureau, il y a des médecins. Na ba magasin, wana e ba kisi mbongo ya ba entrée à ba ancien combattant. Moi je n'ai même pas bénéficié $1 de tout ce que j'ai construit comme magasin. Na entrée j'ai construit 12 magasins. Na entrée à Ofi à Gambela j'ai construit 12 magasins. Tina likolo na kokota na Gambela proprement na Gambela ancien combattant mémorial. Na tongi le sousou ba magasin 8 iboso na ba bureau likolo. C'est pas Sylvain Moutombo qui bénéficie de ça. C'est pas ma famille. Je connais même pas $1. On paye 800, 700 par magasin. C'est pour les anciens combattants. À Lubumbashi, à côté du tribunal de la Kenya, 100 mètres, nous sommes pembe, on a toutes les maisons tout au long du tribunal de paix de la Kenya, à Lubumbashi. J'ai récupéré ça. Ce sont les bâtiments des anciens combattants. Il y a des loyers qui entrent là. À Likasi, même, à Kolwezi, là où les divisions amies, les ont fouté là, à Kolwezi. J'ai récupéré ça. De même au Bas-Congo. De même ici à Kinshasa. Là où il y a la boîte Mambo. Boîte Club Mambo. Club de nuit Mambo. En ville. Frescom. Tout cet espace-là. Tous ces magasins-là sont des locataires des anciens combattants. J'ai trouvé cette maison-là achetée par une personne de la famille présidentielle. L'actuel. L'ancien régime. Ils sont allés prendre le ancien combattant. J'ai parlé avec le commandant suprême sur ces dossiers-là. Il m'avait donné des orientations. J'avais récupéré ces bâtiments-là et ces loyers. Et ces loyers ont aidé les anciens combattants. Mais quand je suis parti, je ne sais pas où part cet argent. Très bien. Moi, j'ai laissé les traces. C'est quoi je vous dis ceci? Demandez à l'IGF de venir se poser la question. Ces histoires-là, construites en bonne et due forme, l'argent n'est pas venu de l'État. L'argent est venu de bien des anciens combattants. Mais quand j'apprends qu'un ancien combattant est dehors, alors que j'ai logé cet ancien combattant, au moment là qu'il y a la vidéo, on a zoa qui est dans foutre lien d'ako, n'a pas si bloqué à collier, la soumbe lié matela, n'a moins sinaé, n'a gardé pendant 4 mois na Gambela, aza collier, aza collier la kitoko, parce que n'a fumoula qui Gambela, comme mémorial y a solo. Général Mbala est venu inaugurer avec moi cet hôpital là. Mon aîné Mukena, paix à son âme, est venu avec moi pour visiter Elokoana, où il avait beaucoup encouragé. Le premier ministre Ilungamba a encouragé cette œuvre au Totongi sans que l'État congolais bimisata mbongo na emoko. Allez-y comprendre. L'école des anciens combattants, à côté de voisin à Frank Diongo, Nangaliema. Et si papa Frank Diongo, mon aîné, m'a beaucoup aidé pour te récupérer concession wana. Bah, Ibaki Yango, il y a des magistrats corrompus qui ont déguerpi les gens là-bas. Pour qu'il y ait Tekama. Mais moi, j'ai récupéré ça. J'ai fait rapport au président de la République. Il avait déboursé à l'époque $800,000. Moi, on a baï Bakiango. N'empêcha qu'à Mounde le Moko à voyager. Pour la détournement à $800,000. Mais Kende Siko et Komona, comment est-ce que na Silici et Lokoana n'a inauguré Ango pour ba militaire, pour avoir une formation à Bango, n'a pas veuve, n'a pas orphelin, n'a pas porte, n'a pas toilette. Mais l'élo est comme brousse. Et comme Zamba, quelque chose qu'on a inauguré pour commencer les formations des militaires, n'a pas retraité, n'a pas si na Bango, n'a pas na Bango. Totie ba porte, l'élo kende kota lango. On a achevé ça avec l'argent.
pas avec l'argent de l'État. L'argent des anciens combattants. C'est ce qu'on appelle le management de qualité. Un leader doit créer là où il est. Allez. Et donner des leçons pour les autres Tshisekedistes qui deviendront ministres. Merci. On passe par là, on est en place. Merci. On va terminer avec la question de l'Est. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans le scénario à l'Est? Finalement, le chef de l'État, état de siège, rien n'a marché. Toutes les stratégies, nous sommes au bout. Qu'est-ce qu'on peut retenir issu des Awapi? Au moins, héritage, il y a situation à l'Est. Quand j'ai fait mon point de presse de 100 jours au gouvernement, j'avais eu la grâce d'effectuer plusieurs missions hautement stratégiques à l'est de la République. Je suis allé diriger Mureza 2. Quand on parle de Mureza 2, c'était la deuxième grande réunion du groupe rebelle, donc le groupe de forces négatives. Tout ce que vous entendez comme Mai Mai, Bilonze, Bichambouke, le Mundundu, tout ce que vous entendez comme mouvement rebelle, mouvement force négative. Il y a une rébellion interne à l'Abisso. J'avais rencontré 180 mouvements rebelles. Les 180 mouvements rebelles étaient organisés Bamoussoussou, Bandima Kotika Mindouki sans condition. Et Tilelo, Bazela DDRC. DDRC et Bandi, plus de 20 groupes rebelles. 30 Bazo Tika Mindouki Nabango, parce que n'y a pas ça qui Bango Mindouki Wana. Et ça qui est régime passé. Pour l'intention. Intention à créer trouble, à faciliter la balkanisation et à Mboka Nabiso. Tout était déjà en chantier. Félix Tshisekedi vient hériter une situation calamiteuse sur le plan sécuritaire à l'est de la République. Il ne fallait pas acquérir avec brutalité. Il devait aller lentement avec des méthodes. Vous savez vous-même ce que nous avons connu avec des brassages. Bapé Sio disarme au sein du groupe rebelle, aux yeux quelques sujets rwandais, au côté de Bango Nassima, par contre, l'armée Nabiso. Est-ce que vous savez que ceux qui t'osaient là, qui pendant des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ceux qui félicitent, ceux qui pouvaient, Tolinga qui t'osaient plus de généraux pour le Rwandais dans l'armée Nabiso. Parce que Bazala qui déjà n'avait 3 étoiles, 4 étoiles, 2 étoiles, et belé, Bazala qui déjà avancé en grade. Donc Tolinga qui t'osaient 100 mois, et ça qui plaît à la balkanisation. Félix a eu le pouvoir, les Américains, les Nations Unies, la MONUSCO, va comme ça par rapport, il y a Koloba que le Rwanda est derrière les M20, les M23. Pourquoi cette vérité aujourd'hui? Parce que Félix Tshisekedi, avec sa stratégie de l'état de siège, sa stratégie avec la diplomatie, sa stratégie avec la coopération militaire, n'a pas mboka nyonsoan, à l'ongoli Congo, n'a centre au Batika qui est sur le plan de sécurité na S. Il aurait fallu maintenant aya na méthode, y a qu'on renforcer armée na Bissau. Et zonga armée professionnelle. Une armée professionnelle, c'est cette armée-là qui produit son argent. C'est cette armée-là qui a la loi sur la programmation militaire. C'est cette armée-là. Qui sait que, après cette année, Massouda Bala Titeni, année prochaine, Fobala Titeni, Moussousou, au-delà du sacrifice, nous sommes remis à la bise et sali. Félix Aye, au Pessabango, moi, ton usi à espoir, toi, quel délibosso, pas continuer à combattre l'amboka, parce que battre l'ango, à des moments difficiles, il faut respecter nos militaires. Certains n'accèdent pas aux fonctions de ministre de la Défense, et quand on y accède, on a beaucoup de réserves, on entre dans ce qu'on appelle le secret de défense. Je ne sais pas dire certaines choses ici, mais je vous dis, Mboka sur le plan sécuritaire, Mboka Isala qui a côté ka. Il n'y avait plus rien. Goma Rale comme qui Rwanda. Quelqu'un préfère aller dormir à Gisenyi pour revenir le matin au Rwanda. Les services de sécurité, les services de renseignement, c'était des histoires pro-rwandais pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, Tshisekedi Tshilombo est venu avec son calme légendaire. Il n'a jamais été pressé pour agir. Il agit malembe, mais sûrement. L'état de siège, est-ce que ça peut comprendre, au-delà d'une autre stratégie militaire qui est l'état de siège, qu'est-ce qu'il peut encore nous proposer là à l'Est? L'état de siège, c'est l'ultime des stratégies pour nous permettre d'aider nos populations. Il fallait militariser l'Est, il fallait donner le commandement militaire là-bas, afin que les assaillants qui étaient avec nous dans une guerre asymétrique, ils viennent vous attaquer, vous ne savez pas où ils viendront le matin, vous ne savez pas d'où ils vont sortir, vous ne savez pas comment est-ce qu'ils vont opérer. Ils avaient plusieurs modes opératoire pour déstabiliser. Depuis quand nous Congolais, Tomitsuba Kabambeli, Tokata Mutumusunye Nase, Tokata Lokolo, depuis quand cette histoire-là doit être terminée? Cette histoire des ADF-là qui coupent les gens, les têtes, qui font des actes d'atrocité. Il fallait essayer. Essayer la nanane. Namutoua, ça la bolingo ya Congo. Akola la ST, Aloba Akola la ST.
Mais la stratégie de Félix Tshisekedi Tshisekedi a montré ses limites. La stratégie de Tshisekedi est la plus meilleure parce qu'aujourd'hui celui qui s'est caché est sorti au grand jour. Tout le monde voyait parce que balkanisation, c'est là qu'il était envisagé. Félix Tshisekedi Tshilombo a été pour bloquer balkanisation. Oh, vous venez là, le monde maloba balkanisation. Balkanisation va bloquer Yango. Parce que ça, la magalissoute, nous connaissons maintenant à qui nous avons affaire. Qui se cache derrière M23, qui se cache derrière Moudoundou 25, qui se cache derrière les ADEF, qui se cache derrière la CNDP transformée, RCD, CNDP, quoi encore M23. Et ça, c'est le comment? Et où t'as roi? Et Bandana roi? Et où t'as Ouganda? Parce que Félix a yé. A Botoli Batunyon soit la Mindouki. Félix a récupéré Mindouki à MLC. Félix a récupéré Mindouki à Rubero. Félix a récupéré Mindouki à Wamba Diawamba. Père son âme. Félix a récupéré Mindouki à Mzé Kabi, à Joseph Kabi. A Botoli Bamambo c'est Mindouki. Si vous avez dit Mindouki, il y a ba Oyo, Batinda Kabamoussou, Soubamba, Mamoussou, Maba, Mabanga. Oko Landa Moutobambio, Libanga, il faut Landa Moutatindi, Atindi, Yalanda, c'est-à-dire le Rwanda. Ceux qui ont bloqué Moutouazo Bambayoli, Azo Tindaya Bambayoli Banga, Sikoto Silsige, gay. Nous sommes dans une grande guerre diplomatique, médiatique avec le Rwanda. Il faut des techniques, il faut des approches stratégiques, parce que nous sommes obligés de vivre avec le Rwanda éternellement, parce que nous avons une frontière. Banana Biso Basi Babalani, Tosi Tosel Makambo Abele Naba, Nabango. Tozala, moi tolérant, Totika Mokosa Moka. Diriger le Kohan avec les coopérations militaires mises en place. Allez. Avec la multitude de désaccords militaires diplomatiques et aussi l'implication de grandes puissances comme celui qui vient, Anthony qui est venu, qui a promis d'aller mettre le Rwanda dans une situation de calme afin que la coopération avec le Congo puisse aller et on va neutraliser l'adversaire. Allez. Et la paix va rentrer. C'est fini pour aujourd'hui. Merci. Je rappelle ici que nous avons reçu pour vous monsieur Sylvain Moutombo. Maître Sylvain, ministre honoraire, délégué aux anciens combattants et président national du RTD. Et au cadre de l'IDPS. Au cadre de l'IDPS et de l'Union. Et soit à Kabango, hein. Et soit à Kabango. Et soit à Kabango. Banane. 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 Il y a adversaire. Adversaire. Banane. Oh, il y a eu que Gotem pour l'objet qui a atteint la liste à 830. 830 banane. Oh, il y a eu que Gotem pour l'objet. Naïbite. Ah, il y a eu que Gotem pour l'objet qui a liste à 830. Il y a Bango ou pas zombie. Gotem pour l'objet. Gotem pour mon coach, professeur, oui, fois docteur, oh Nini, au président de l'Assemblée nationale, oh et à pasteur, oh et provincial, oh et à pasteur. Donc, Alim, alors, on l'a rappelé, Milim, oh, peu à côté philosophie, Bantu, à l'objet, avant, Zamba Salalikolo, Nassé, Bakoko, à qui est-ce que la Félix Tshisekedi, lettre, il y a finalement, il y a Tshisekedi, Etienne Wamulumba, à qui est-ce que la haine, un monument, un tombeau, un 830, pas l'ignée à la Moussaïe, un combat. Atiki ko tikela pe papa mbuta kasavubu na monument na e atiki pe lu mumba alobio ke ne tikela pe kimpa mvita na kasavubu na ba nyoso bakufa pona komba po totala makambo ya bande de voleurs nga na ibi makambo na te nga pe na okende ko tuna ye soki komu na ngaza na liste wana soki za na liste wana alongolanga na zoe ba godin po yango na zoe bpt yonde mtu zoe expliquer nga mais problème ezate na na zoe situé te oyo zo lo ba na zoe bate o assemblée provinciale o président assemblée provinciale ya Kinshasa. Vous avez une photo là, eh? Oh. Via peta ka ba rouge clair na ba plante. Oh, mouton ma elit. Oh, ya te ka ni lo banzambe loko la science. So kote n'église na e. Tu ga ide na zo ibate. Yonde ou zo. Mais ko bat ya photo na la kise yukunati. Ngay o nga na yebi. E zanga na yebi. Na yebi te so le zaka o mbe. Oh, ya mba investitir a jekoko. Na vien nga. Te. Nga na yebi godem poyi. Oh, ya. Oui, vrai quinoa. Ou alors, vrai quinoa, vrai Yankee. Ou alors, n'est-ce pas? C'est une idée, ou alors, 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 ou Godem Poyo, priori, vous avez un peu de temps. Waouh, voilà! Na ba ba référence. Oh, fais la logique, wana. Grand prof. Na yebie. Na yebie depuis DGD. Toi, tu as un bateau boé, 10-15. Vous avez attaqué bande de volants, vous avez zombie. Tu as une jonction, vous avez un bateau zombie. Na yebie. Vous avez un zombie, vous avez un bateau. Na yebie, Godem Poyo, rigueur. Vous avez un vieux, joli,
a définira ba zombinga na ba définition na te. Ah. Le ka vient joli à lobby. Omoni mutu na tongo aza kabiliste. Kabila kwei après 2 minutes. 2 minutes mutu wana komi plétis que dit que Sylvain Mouto. Aza zombie. Té, abi a transmas, a souffrir la cancer, y a transmas politique 8e degré. Il faut qu'à soin médical. Allez, merci. On a fini pour aujourd'hui. Le pasteur Godin Poi, pasteur président et assemblée provinciale, y a Villa Kinshasa. Donc, assemblée provinciale à Villa Kinshasa, la PC Mbote, Naibi Godin Poi depuis Kalaï. Comment dit le loter? Zamutunanga penza ya Kalamba et puis je. Naibi. Naosola pasteur. Naosola pasteur Naibi. Naibi pasteur Alingé Lamba perso bine na Nzambe azoluka ko maloa David Naibi mingi na pesi mbote. On a fini pour aujourd'hui, on va se retrouver demain à 11h30. Kofi Olomide mbongo ya kosomba baba basombeli yango Ferrari ya petit frère mbongo esengela ki basale la banzela basombeli yango nda komoko na Espagne et puis nzela oyo mbongo esengela ki batonga ba hopito yango nde batonga lupanga munene bachape banzembu pe ebe bisaka éducation abana na biso pe bosa nango te ba totala lobby Kofi Olomide banzembu pe o ebe bisaka éducation faut pas zongela ngo très bien lobby tozala Kofi Olomide parce que il faut pas ko yemba biemba yemba ko kanza ke bato a maele te te lobby Kofi Olomide Kofi o asindi le cœur ozala lobby donc Kofi o asindi le cœur sindi le cœur basa la pe révision éducation à banzembu wana musicien na ye parce que tokozo ngo totandi yango totale chanteuse chanteuse ya Kofi voilà. Donc Kofi o asindi banzembu pe zonga petit na lobby Kofi o asindi nde ozala lobby ngala ko ngala ba kombo wana te ngala lobby basi nakota ka ba banzembu te na lobby banzembu pe o ba musu ba yemba bazongela pe yango parce que mususu e bebi sa mabala mususu e bebi sa éducation na ndé na bana ba mboka na biso. Banzembu mususu. Lobby Kofi wa ya Cindy nda. Ngana ebi ete. Ngana ebi ete. Mais le zaba tozo. Ngana ebi pasteur Godete yo po ebi Kofi Kofi te. Te ngana buluka ona ebi. Bon. Se ngape la boy nangai. Bosole sili. De vous inquiéter pour poursuivre vos études à l'étranger. Agence Tout Travaux Multiservices, mis à votre disposition de bourses d'études pour la CHU. Jusqu'à 75% de soutien à seulement $1,750. Pas de frais d'ouverture de dossier. La paye s'effectue une fois obtenu son visa. Nous avons toujours en pleine promotion à mission. Donc, promotion à mission, ils ont continué. Pour un visa d'études, il y a Chypre. Donc, ils ont bourse. Ndenge Karatouba qui la fois passée, par témoignage des Ali, na 1750 paiements après obtention de visa. Dirait na moza 3 à 5 jours. Na rappelé, paiement ezo salama kaka soki visé bimi. Donc bano bazi diplôme sika boya boye belé promotion ezo continuer moi au mobimba tozo continuer na bino promotion soki ba résultat bino bimi boya boya kotika ebelé na bato bazo ba diplôme na bango kala ezo kité acheter avec des avantages tels que un mois de logement gratuit, une carte de résident permanent, un permis de travail. Nous avons été aidés par l'agence des maîtres constructifs. En tout cas, le travail a été très bien fait. Pour d'autres services, l'agence Tout Travaux vous facilite la tâche d'avoir de documents administratifs pour la conception et la gestion de vos projets d'entreprise. Notre adresse, immeuble GGE, 4e niveau, local 45, référence Rond-Point Huillery. Vous servir, une autre priorité, telle est notre devise. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères, ouvert à tout le monde. Avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 Avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamu. Téléphone
84 710 99 99 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.